sorti aujourd'hui, nous avons une équipe qui est en deuxième division maintenant du championnat, qui sont tous formés au centre du UBC. Donc, ils ont une moyenne d'âge entre 20 et 23 ans. Et aujourd'hui, ben, on essaie de voir ce qu'on peut faire avec eux pour pouvoir les promouvoir. Mais aujourd'hui, c'est hommes et dames maintenant, UBC. Alors, on sait que de façon globale, de façon générale, les Togolais ne sont pas généralement grands. Est-ce que vous mettez l'accent sur la taille ? Parce que souvent, quand vous avez la taille, pour jouer au basket, c'est déjà un avantage. Est-ce que vous travaillez là-dessus ? Vous faites le casting dans ce sens-là ? Oui, bon, au fait, c'est un peu difficile parce que déjà le Togolais, même en général, n'est pas de grande taille. Donc, nous ne pouvons pas faire d'exclusion au départ. Mais petit à petit, avec l'expérience que nous sommes en train de glaner, nous essayons dans l'évolution vers les étapes supérieures de filtrer un peu par rapport aux capacités. Parce qu'il faut savoir comment orienter la personne par rapport à sa potentialité, s'il est vraiment apte pour faire le basket. Déjà en prenant le critère de gabarit, de taille, voilà, on peut voilà, déjà à partir de junior pour lui dire voilà, parce que nous faisons des évaluations à ces joueurs que nous formons ou joueuses que nous formons. Et à l'issue de ces évaluations, ils peuvent maintenant passer en catégorie supérieure. Donc, et on espère d'ici là, maintenant, quand ils vont arriver en équipe senior, ce sont des joueurs qui ont vraiment cette potentialité de basketteur pour pouvoir vraiment exceller dans leur carrière de basketteur. Ils sont combien aujourd'hui dans votre programme ? Aujourd'hui, nous sommes environ 120. 120 ? 120 en tout. Bon, disons même que nous voulons aller plus que ça, mais pour l'instant, vu les moyens un peu, disons, limités du centre, parce que derrière, il faut du matériel, il faut aussi des ressources humaines. Bien sûr. Voilà, donc ce qui nous fait d'abord un peu freiner les adhésions, mais nous sommes en train de travailler à pouvoir quand même accroître nos moyens, nos capacités pour recevoir au moins 300. Qui peut venir au centre Unity Basket Club ? En fait, tout le monde est invité, mais essentiellement, d'abord, c'est orienté vers les jeunes du quartier, c'est-à-dire Agbalepedo, Dijon, les quartiers environnants à Gouin, qui viennent le plus, puisqu'on veut surtout faire un basket de proximité. Parce que ce n'est quand même pas conseillé que quelqu'un quitte Nicaragua pour venir à Agbalepedo. Donc, l'idéal maintenant, c'est d'inciter les autres clubs aussi à entrer dans cette initiative. Bon, nous sommes en train de le faire progressivement et pour que dans chaque quartier, il puisse avoir un centre de formation et qui permette d'embrasser autant de jeunes possible pour apprendre à jouer au basket. L'adhésion se fait comment ? L'enfant vient, vous le voyez à l'œuvre, c'est à partir de son talent ou ben, quand il vient, il s'enregistre, il paye quelque chose. Oui, chez nous, l'adhésion est payante et puis ils ont même des... Il paye aussi les frais de participation des cours de basket. L'adhésion à 2000. Et puis, pour l'année, c'est 6000 pour les cours et pour chaque enfant. Maintenant, quand ils arrivent au niveau espoir senior, et c'est le frais de cours est à 12000. Voilà. Donc, c'est les conditions. Plus de cela, comme nous exigeons à ces enfants de pouvoir vraiment bien travailler à l'école, à chaque trimestre, nous devons recueillir leur bulletin de notes parce que nous avons une charte au sein du club qui insiste à ce que nos enfants puissent avoir au moins 12 de moyenne en classe. Donc, Si vous avez 10, ça ne passe pas. On a refusé même les 11. Si vous êtes moyen, vous ne passez pas. Même les 11 forts, là, on a refusé. Bon, 11, donc, c'est 11. Hein. On abuse en disant 11 faibles, 11 forts. Mais c'est 11, c'est 11. Oui, puisque au fait... nous voulons cultiver l'excellence. Oui. Et donc, à travers le sport, nous voulons les motiver à pouvoir se donner encore plus à l'école. Parce que s'ils veulent vraiment faire une carrière de mes professionnels, il faudrait qu'ils aient au moins le diplôme universitaire. Oui. C'est ce que nous nous attendons de leur inculquer dans l'esprit chaque jour. Donc, avec le concours des entraîneurs, chaque trimestre, nous recueillons le bulletin et puis nous essayons de voir comment ils évoluent. Et nous avons maintenant mis en place même une cellule surtout des anciens qui ont déjà fait leur formation universitaire, qui sont soit bons en anglais ou en maths, en français, qui viennent maintenant en soutien à ceux qui sont en difficulté. Parce que quand nous voyons que tel n'a pas de bons moyens là, maintenant on essaie de créer une petite classe pour eux de répétition. Ils se retrouvent les lundis, les mardis et puis les jeudis soir là et qui on leur donne des cours de répétition pour les renforcer. Donc, disons, c'est un peu par rapport à nos capacités, notre stratégie de sport-études que nous faisons au sein du centre. À vous écouter, vous êtes visiblement très organisé. On dirait que vous êtes en place depuis 10, 20 ans, alors que ce n'est pas ça. Oh oui, bon,
le club n'a à peine que 12 ans d'existence, mais ça fait depuis 5 ans. Il faut dire que c'est là, il faut remercier notre président, notre actuel président, M. Cyril Pinto, qui réside en France, qui a une expérience de centre de formation en Europe. Donc quand il a pris la direction du club, il est revenu avec un programme en bonne due forme et a complètement changé la structure du club. Et c'est là où on a mis vraiment l'accent sur la formation. Et il est tellement pointilleux sur ces détails-là qu'il nous demande tout le temps de tout mettre en place pour que ses enfants soient bien suivis et au cours de leur formation basket, mais aussi au cours de leur formation scolaire. Donc c'est ce qui fait quand même la joie des parents aussi qui trouvent en nous un appui sérieux pour l'évolution de leurs enfants. Unity Basket Club, son centre travaille bien visiblement, ça donne envie de venir voir ce que vous faites au niveau du collège protestant d'Agbalépédo. Alors en quoi peut-on résumer par exemple une journée de travail au niveau de Unity, du centre Unity Basket Club? Eh bien, d'abord, au niveau de la programmation, comme je l'ai dit, déjà à 14h30, les enfants sont là, c'est les tout jeunes qui viennent et qui ont une séance de pratique de 14h30 jusqu'à 16h. Donc, c'est les moins de 14 ans, les moins de 12 ans et les moins de 10 ans. Donc, nous avons maintenant aussi des structures de mini-basket. Et baby basket avec des panneaux adaptés aux tout petits aussi. Donc, on leur crée leur espace et puis les autres aussi. Et chaque catégorie a un coach qui s'occupe d'elle. Baby donc, basket, on retrouve de quel âge à quel âge? Le baby basket, c'est de 8 ans à 10 ans. À 10 ans, ouais. Voilà, donc eux, ils ont un système de panneaux qui est différent parce que la hauteur est à peine à 2,20 m. Alors que pour le basket normal, c'est 3,05 m. Voilà, donc c'est au-delà de. Et à partir des U14 que nous pouvons pratiquer sur le terrain normal de basket. Donc après les tout petits, donc viennent après les cadets et les juniors qui travaillent de 16h à 18h. Voilà. Et puis maintenant, à côté du travail pratique, nous avons maintenant mis en place aussi, disons, le développement des valeurs parce que nous essayons d'inculquer certaines valeurs citoyennes à nos enfants. Donc nous avons des partenariats comme CIT Togo dont le président est membre du club UBC. Nous avons Gina Adekambi aussi qui est dans le leadership féminin, ouais, qui vient de temps en temps donc donner des cours de leadership à nos enfants, et histoire de vraiment les former en tant que personnes. Nous avons aussi la chance d'avoir parmi nous un étudiant en médecine qui est en train de finir aussi, Azim, qui vient aussi faire l'hygiène de vie, la santé à nos enfants, histoire de les amener à pouvoir bien prendre soin de leur corps, de savoir bien s'alimenter, parce qu'on parle de la diététique avec ces enfants-là. Donc, disons que nous essayons de faire une formation complète pour ces enfants, parce que le centre est à l'homme de notre projet. En tout cas, ça donne envie de venir voir. Comme toujours, vous faites une formation complète, comme vous l'avez dit, vous avez pratiquement toutes les structures. Pour faire tout ça, c'est vrai, vous avez parlé d'un mécène qui est en France, Cyril Pinto, qui forcément vous donne la plus grosse partie de vos moyens. Au-delà de ça, vous avez 120 personnes, avez-vous dit, à gérer tout ça, mais où trouvez-vous les moyens? Y a-t-il d'autres partenaires qui vous viennent en aide, qui vous encouragent à aller devant? Ben, c'est difficile pour l'instant parce que, comme je l'ai dit, nous essayons de nous organiser peu à peu. Et nous avons pour l'instant peu accès aux partenaires parce que nous n'avons pas encore une équipe assez dynamique sur le plan marketing. C'est maintenant que nous essayons vraiment de au sein du groupe, de pouvoir identifier certains qui ont fait cette formation et de mettre en place une équipe de communication, de marketing pour approcher les grosses structures. Mais pour l'instant, disons que c'est, comme tu l'as bien souligné, c'est des mécènes. À part le président, nous avons, disons, les anciennes du club et certaines qui sont en Europe, qui, quand nous avons des projets, exemple, nous avons en décembre le camp de basket de Noël pour les enfants, qui nous apporte vraiment un apport considérable sur le plan financier, sur le plan matériel, pour pouvoir organiser ce camp-là. Donc, en plus de nous-mêmes, puisque nous avons un comité directeur composé et de moi et des anciens et anciennes basketteurs du club, qui essayons par les cotisations, en raison en moins de 5 000 par personne,
par mois pour pouvoir, disons, déjà financer la vie quotidienne du club. Mmh. Maintenant, sur le plan, comment dire, équipement, parce que ça, ça se demande beaucoup d'investissement. Là, c'est le président qui fait beaucoup plus d'efforts. Bon, comme il est en France aussi, il essaie de voir des amis qui, et puis des grands basketteurs au niveau de la France pour pouvoir collecter des chaussures, les ballons et pouvoir... Les maillots. Voilà, donc chaque année, de pouvoir un peu renforcer la capacité du centre. Voilà, maintenant, nous devons viser plus haut parce qu'il faut que nous puissions avoir au moins chaque enfant avec son ballon et chaque enfant avec une bonne paire de baskets. Donc là, on a sérieusement besoin des sociétés en place. Pourquoi pas au moins déjà les établissements qui sont autour du terrain, dans le quartier Agbalpédo, Tochi, histoire de vendre un peu leur image. Bon, là, c'est, nous sommes à l'apprentissage maintenant du marketing, on espère cette année, parce que nous pensons aussi avoir notre terrain à nous. Donc il faudrait qu'on ait vraiment un espace qui nous est propre pour avoir un siège du club. C'est l'objectif, en tout cas pour ces deux prochaines années. Et on espère, Inch'Allah, pouvoir l'atteindre. En tout cas, mais depuis que vous travaillez, est-ce qu'il y a des valeurs qui se dégagent? Vous voyez déjà en vos enfants, en vos élèves, des grands basketteurs de demain? Il y en a qui se dégagent déjà? Ah oui, absolument. Hein. Nous pouvons déjà, au niveau de l'équipe junior, qui a été même déjà sélectionné au tournoi Triomphe il y a là, 2 ans à Bamako, il y a Yohanou Mawena, qui est un bon tripointeur aussi, que nous continuons toujours à travailler, qui a 18 ans. Donc, il y a même son grand frère qui joue maintenant en senior aussi, qu'on appelle Kamikaze, parce que c'est un vrai fonceur aussi, qui travaille beaucoup. Et nous avons les tout petits surtout qui arrivent. Nous avons Ghislain Lounou avec son petit frère, dont les parents sont très fonds du basket, ce qui les encourage à pouvoir faire beaucoup d'efforts. Et puis, nous avons maintenant une jeune fille qui s'appelle Sénadé Myriam, qui a que 15 ans, à peine un an de basket, qui est en train déjà sérieusement de titiller les grandes sœurs. Elle est terrible. Vraiment, avec déjà 1m80 comme taille. Ah, yeah. Elle est grande. À 15 ans déjà, donc ça promet. Elle joue au poste eux-mêmes. Donc, et en partenariat même avec Swallows, qui est un grand centre de formation, qui nous a sollicité pour faire son renforcement. Donc, depuis 3 mois, elle participe aussi à la formation de l'équipe élite de Swallows. J'allais vous poser cette question. Quelle relation, quelle collaboration avec vous, avec Swallows, l'un de ces centres les mieux organisés du pays? Vous travaillez ensemble? Bien sûr. Disons, l'histoire UBC et Swallows, ça dure depuis la naissance de UBC, parce que Swallows a été toujours un grand partenaire de UBC. Nous avons eu toujours à échanger les joueurs entre nous, les joueuses. Et bon, maintenant, aujourd'hui, entre Swallows aussi, nous essayons de mettre en place maintenant une politique de regroupement des centres de formation déjà de notre région de Lomé Plateau. Et depuis l'année passée, nous avons réussi au moins à avoir 5 centres de formation. Il y a FABA, il y a FITES, il y a Erlich qui est à Dido Gomé, et puis il y a NGB plus UBC et Swallows. Nous faisons un groupe de 5 qui, depuis l'année passée, ont mis en place une stratégie de mutualisation de nos efforts. Donc nous avons l'année passée organisé des matchs amicaux, organisé par centre des tournois pour regrouper les joueurs, et même mis en place des mini-camps que nous avons fait par trimestre. Maintenant, depuis 2 mois, nous sommes réunis, nous avons travaillé, nous avons mis en place maintenant une cellule avec un bureau administratif, bon, dont j'ai été modestement choisi comme coordonnateur, pour maintenant définir une vraie stratégie bien planifiée, où nous allons maintenant organiser même des mini-championnats. Nous allons organiser des formations aussi, puisque nous avons besoin d'encadreurs. Donc nous allons certainement, d'ici le mois prochain, avec l'appui de l'expert FIBA, M. Johnson Fafadi, pour former nos jeunes encadreurs de basket, pour pouvoir accroître notre capacité de former les jeunes. Voilà, c'est dans ce sens que nous et Swallows, nous travaillons pour, disons, attirer les autres vers nous, pour faire quelque chose d'excellent pour l'avenir des jeunes. Voilà, vous croyez, vous formez déjà la base, vous préparez, on peut le dire, l'avenir du basket togolais. Mais on a remarqué que depuis plusieurs années, ce sport, ou bien cette discipline sportive, est en train de regresser. C'est quoi, selon vous, le problème? Question de moyens, d'encadrement, c'est quoi? Ben, je pense que c'est d'abord un problème de volonté. Parce que ça fait déjà plus de 10 ans que nous parlons de ça. Si tu as remarqué, nous n'avons même plus de compétition de jeunes.
ni au niveau de la... Avant, on avait timidement au niveau de la Ligue, parce que c'était quelque chose qu'on organisait un championnat en deux semaines pendant les vacances. Nous avons combattu cela pendant longtemps, mais si vous voyez, c'était Club du Nord, que pendant la période scolaire, les parents ne nous donnent pas les enfants, tout ça. Non, non, c'est une question d'organisation. Aujourd'hui, par exemple, donc nous avons voulu quitter cette étape de critique. Donc, nous voulons nous-mêmes déjà nous regrouper entre nous, mettre quelque chose en place pour montrer aux autres que c'est possible. Déjà l'année passée, on a joué des matchs pendant la période scolaire. On a joué des tournois à 5 pendant la période scolaire. Mais quand vous dites à la Ligue, organisez les championnats pendant la Ligue, non, que les enfants ne sont pas disponibles et puis on n'a pas de moyens. On leur a proposé de décentraliser l'organisation de compétition. Au lieu de regrouper tout le temps toutes les équipes au stade, et quand vous voyez déjà, vous avez 14 clubs et que vous devez jouer tous les matchs au stade, c'est des matchs qui commencent à midi, qui finissent à 23h. Ben, si tous les clubs peuvent recevoir les matchs, en 2 heures de temps, tout est fini. Et vous pouvez jouer même tous les matchs d'une seule journée en une journée. Mais jusqu'à présent, on dit non, que les terrains ne sont pas homologués. Mais je dis, ben, vous voyez même le football. Si vous allez à Piketty de Bassa, ce n'est pas un terrain synthétique. Si on va à Tabou, ce n'est pas les conditions les meilleures, mais on a joué. Donc, on a vu ce que c'est. Il faut un plan de développement. Il faut commencer de quelque part et arriver à un point. Bon, jusqu'à présent, même la dernière fois, on a encore fait la réunion, on s'est encore chopé là-dessus. Mais bon, comme ils sont réticents, si on doit les attendre, là, on risque de ne rien faire. Donc, nous avons décidé, nous-mêmes déjà, de nous organiser entre nous. Et au fur et à mesure, on espère que quand ils vont voir, ils seront convaincus par la suite. Donc, il ne faut pas qu'on sacrifie les jeunes pour cela. C'est pour ça que je parle de basket de proximité. Aujourd'hui, si un centre veut se développer, si même un club d'élite veut se développer, il faut qu'il ait un bon centre de formation. Pour que les parents s'associent et les amis des parents, les fan clubs ne se créent que si par exemple tu reçois des matchs chez toi. Parce que en allant par exemple UBC qui quitte Agbelpeto qui doit jouer chaque fois au stade. Non. Est-ce que nous allons déplacer nos supporters pour venir chaque fois du public. Voilà. Il faut que chez nous on organise. Être proche de son public. Et là on peut mémoriser le quartier, il peut venir nous supporter. Mais maintenant si après on doit se déplacer, au moins certains peuvent encore nous suivre. Mais si on joue tous nos matchs rien qu'à l'extérieur, on n'aura jamais de supporters, on n'aura jamais de fonds. Alors que peut-être ces fonds-là peuvent encore apporter un plus. Parce que dans ces fonds-là, tu peux avoir un médecin, tu peux avoir un banquier, voilà, ouais. Qui peut, pas, ou même, c'est pas un médecin qui peut apporter du ciment pour construire. Pour construire, voilà. Pourquoi pas. Voilà, donc il faut, on essaie de le faire comprendre qu'il faut être dans la dynamique du développement. Mais pour l'instant, il se cantonne et sur le stade qui, malheureusement, même est en train de s'abîmer, puisqu'on a on n'arrive pas à l'entretenir, donc peut-être d'ici 2 ans. Mais t'attends, ce n'est plus forcément praticable. Vraiment, parce que c'est l'ancienne génération. Voilà, donc il faut déjà qu'on pense à développer aussi les terrains des clubs. Vous demandez peut-être aux décideurs d'aller vers la construction des infrastructures dans tous les quartiers. Important. Pratiquement, parce que si on veut le développement du basket, du hand, du volley et d'autres sports, il faut avoir des infrastructures un peu partout. Voilà, donc c'est ça, au fait, c'est ce que nous voulons arriver avec notre groupement aujourd'hui, parce que nous avons décidé aussi de mutualiser nos efforts, de trouver des partenaires pour que chaque terrain de nos centres-là soit amélioré. Si certains n'ont pas de pouvoir construire cela, donc nous espérons que d'ici, parce que c'est un plan pour 3 ans, d'ici 3 ans, que déjà au moins au niveau de nos groupements, que nos clubs puissent avoir maintenant de bonnes infrastructures pour avoir une bonne administration aussi de gestion aussi de ce centre de formation pour que vraiment nos jeunes puissent avoir, puissent rêver d'aboutir à leur carrière de basketteur. Pourquoi pas rêver de devenir LeBron James, pourquoi pas. Alors, nous discutons avec Robert Ajavon, il est le directeur sportif du centre Unity Basketball Club, UBC, que vous entendez. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour terminer? Vous croyez en l'avenir de ce sport? Absolument, absolument. Parce que, bon, nous n'avons pas droit de baisser les bras. Nous devons soutenir notre jeunesse, parce que c'est, au fait... notre source, notre valeur de richesse pour notre pays. Et il faut que d'autres volontés aussi s'ajoutent à nous pour que nous puissions réaliser ce projet-là, en espérant aussi que et la Ligue et la Fédération, avec le temps, finiront par avoir foi aussi à ce que nous disons pour que tous ensemble, nous puissions donner à notre basket les valeurs d'antan. Parce que nous avons brillé en temps dans les années 70 sur le plan continental. Il faut qu'on fasse même mieux qu'avant pour pouvoir s'afficher sur le plan mondial. Donc,
J'espère que d'ici 10 ans, là, nous serons là en train d'apprécier les fruits de ce travail que nous venons d'entamer. Ah, donc, ouais. Grand merci à Sport FM qui nous soutient à chaque instant durant tout au cours de nos projets, surtout de la jeunesse. Et Franck, grand merci à toi. Et on espère être encore avec toi très prochainement pour en parler. C'est votre maison, revenez quand vous voulez. Unity Basket Club, le centre a le soutien de la référence sportive. Mais manifestez vos besoins, venez nous voir et on va communiquer autour de vous. Allez, Robert Agervon, merci d'être venu. Bon courage surtout pour la suite. Merci beaucoup, Franck. Et à très bientôt. Merci de choisir la référence sportive Sport FM. On va saluer nos invités. Jean-Louis Koudjonou, bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck, bonjour Mohamed, et puis bonjour à Marc Toukinlo, qu'on ne l'a pas vu. Ah, je l'ai prononcé son nom, de quoi crierait. Hein. Il est là. Bonjour au plateau et bonjour aux fidèles auditeurs de Sport FM. Marc Toukinlo, bonjour. Bonjour Franck. On a disparu ou on est là? Bah, on est là, je suis resté fidèle à Sport FM, je suis tout, et aujourd'hui j'ai décidé. Comme fidèle à mon engagement auprès des éperdiers, j'ai décidé de repasser, de faire ma réapparition. Voilà. Mohamed Touré, bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck, bonjour la table. Je pense que si Marc a disparu, vous avez, c'est là du résultat du Real. Donc c'est ça. Comme je l'ai dit, je n'en ai revenu parce que ça va aller. Ça va voilà. Bon, peut-être on va croiser les doigts. Et là, on va prendre quelques minutes pour parler du championnat national de football de première division avant d'attaquer les Éperviers où vous aurez toutes les informations autour de ce match du 24. Vous savez que la 20e journée de la première division nationale de football a été disputée en semaine. Il y a des clubs qui n'arrivent plus à s'imposer, qui n'arrivent plus à impressionner. Le cas de Gomido, par exemple, qui à domicile la dernière fois n'a pu faire mieux qu'un nul vierge contre le Dynamique Togolais. Et au sortir de la rencontre, nous vous proposons d'écouter Komi Adika. C'est un score qui n'arrive pas à Gomido. Si aujourd'hui on a l'obligation de victoire, qui est sur le nul des 3 points. Vu notre classement dans le championnat, c'est les 3 points. Vous avez zéro, ne fait pas l'affaire de Gomido ce soir. Vous avez quand même eu des occasions que vous avez ratées. Oui, on a eu pas mal d'occasions. On s'en procure aussi beaucoup d'occasions. Et qu'on est engagé, je ne comprends plus, ça fait un bon nombre de matchs où on sort toujours des matchs. Il y a un problème qui se passe. Il va falloir qu'on retourne à la source. Sinon, avec cette allure, on risque de terminer mal et de ne pas être dans les objectifs. Quoi. Le vice-champion en titre du Togo qui ne se retrouve plus actuellement, on va dire, sixième de la compétition avec seulement 28 points, Gomido de Palimé. Nous vous proposons aussi d'écouter une autre réaction, celle d'Ametoko Domensa, Maranatha, qui dans le top 3, on n'attendait pas cette équipe-là, mais elle est bel et bien dans le top 3. Ametoko Domensa, au sortir de la victoire du club donc face à l'ASOTR la dernière fois, c'était jeudi, nous vous proposons de l'écouter. Quand tu tombes, il faut savoir se relever. Et vraiment, on s'est relevé. Quel a été le discours avant ce match-là? Non, le discours est qu'on a perdu un match à domicile. On veut être champion, donc il faut gagner les matchs pour être champion. On ne peut pas gagner avec les défaites. Donc mes joueurs se sont bien compris et aujourd'hui, ça a donné du boom au cœur. C'est vous qui avez sorti le grand jeu ou c'était un petit à Est-OTR? Non, dans l'ensemble, il y avait du jeu. Nous, on a joué, ils ont joué aussi et l'avantage était de notre côté. On a marqué 2 buts. Alors aujourd'hui, est-ce que l'état-major vous sourit également à Maranatha? Oui, ça, l'état-major me sourit parce que je suis un ancien capitaine de Dito. C'est normal que quand je viens ou quand je dois gagner. Vous voulez être champion, pensez-vous que c'est possible avec des résultats en dents de scie? C'est possible parce qu'en faisant les défaites, on a vu nos faiblesses et maintenant on est en train de les corriger. Les matchs qui vont venir, vous allez voir. À l'instant, Metoko Domensan devant Latif Yoruma. Jean-Louis Koudjonou, étonné par la position de Maranatha, 3e après 20 journées. Oui, Maranatha, c'est l'équipe qui a eu plus de chances pour se hisser pour se mettre au premier rang de ce classement. Parce qu'à chaque fois, elle rate l'occasion. Quand les équipes sont à 1 point, 2 points au-dessus de Maranatha, Maranatha n'arrive évidemment pas à gagner, surtout à domicile. On ne sait pas si le terrain de cette école-là ne leur sourit pas. Mais la dernière fois, d'ailleurs, quand tu as vu, le dimanche, ils menaient par 1-0, la pluie a arrêté la séance, le match. Et puis le lendemain, patatras, on ne sait pas.
la nouvelle pelouse qu'on devait inaugurer brillamment devant son public. Je vais vous dire, Maranatha a coulé. A coulé carrément. Ça, là, c'est ça, ça peut être 1-0, 2-1, qu'on admettrait ça, mais à 4 buts à 1, ça, je dis, c'est trop compliqué pour Maranatha. Si, quelle que soit la victoire obtenue la dernière fois, la 20e journée, je dis, Maranatha doit revoir sa copie si elle veut jouer le premier rôle dans ce championnat, parce qu'elle a toujours eu la chance d'être première équipe, d'être première, mais à chaque fois elle bafouille sa chance. Et puis bon, il faut que les jeunes qui sont à Metogoro, et puis le petit Shérif Koubadia est là-bas aussi. Je pense que les deux, il faut qu'ils se ressaisissent pour essayer de porter haut cette équipe-là. Et c'est, ils vont essayer de mettre une empreinte sur tenir un discours franc et sincère et surtout imposant à ces joueurs-là, parce qu'on ne s'amuse pas quand on est entraîneur. Il ne faut pas trop se familiariser avec les joueurs. Quand tu es entraîneur, il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour travailler. Pendant le temps du travail, on ne badine pas. Voilà. Nous allons continuer par les réactions après cette 20e journée de la DA nationale de football, un club qui s'accroche quand même, on peut le dire. C'est Sarah Football Club qui est quatrième après cette 20e journée. Vous savez, c'est un promu, mais le club résiste toujours. Et sur le dernier match, Ourokoura Diagara, l'entraîneur adjoint du club de Bafilo, a un tout petit peu pointé du doigt l'arbitrage. Nous avons perdu, pas par la force de l'adversaire, mais nous avons perdu par l'avantage de l'arbitre qui a favorisé l'équipe adverse. Sincèrement, il n'a pas été à la hauteur d'un match comme celui de Sarah et ASK. C'était un match de haut niveau. Et moi, sincèrement, le match dépasse M. Coty. Je n'ai pas l'habitude de parler de l'arbitrage. Vous contestez sur le but ? Sur le but, il y a hors-jeu. Ensuite, sur les coups francs, il a pris parti. Il favorise ASK et nous sommes lésés. On se demande si nous ne faisons pas partie du championnat togolais. Mais sincèrement, lui, il n'a pas sa place au niveau des arbitres. Ourokoura Diagara qui pointe du doigt l'arbitrage. Son club, vous le savez, lors de cette 20e journée, a perdu face à la SCK 1-0. Et il dénonce, l'arbitrage avant de retrouver Jean-Louis Koudjounou. Mais Mohamed Touré, oui, sa déclaration, beaucoup disent que, bon, oui, il peut y avoir des erreurs au niveau de l'arbitrage, mais un entraîneur à la fin de match doit pouvoir analyser le match, doit pouvoir dire ce qui s'est passé au niveau du système tactique, de la technique des joueurs, ainsi de suite, ainsi de suite. Oui, je pense que nous sommes ici en présence de trois grands entraîneurs. On a souvent déploré les déclarations de nos entraîneurs qui, je ne sais pas si... Bon, c'est par manque de connaissances ou bien d'expérience, on ne sait pas. C'est souvent aucun entraîneur, rare, sur la 80% de nos entraîneurs togolais, vraiment les déclarations choquent. D'autres même, je ne sais pas si ils ont une formation pour parler ou bien c'est juste... bon. En tout cas, c'est quelque chose qui est bien clair. Je sais, c'est des gens que je peux dire n'ont pas été bien formés. Bon, si j'ai dit n'ont pas été bien formés, c'est trop dit. Qui n'ont pas été formés, Donc ça fait que des fois leur déclaration, c'est soxyme. Un entraîneur déclaré comme ça, comme des gens qui viennent du champ en même temps, c'est tellement choquant. Donc je pense que nos entraîneurs doivent au moins essayer de revoir leurs copies, surtout au niveau des déclarations. Aujourd'hui, on voit sur le grand championnat. Il est rare, avant qu'un entraîneur s'en prenne à un arbitre, franchement, il faut voir la gravité. Et puis, des fois, c'est des pics qu'il lance. Il ne déclare pas comme ça ouvertement la fin de la rencontre. C'est souvent c'est ce qui pousse le public. Aujourd'hui, il a déclaré comme ça. Prochainement, le public de Sarah va se faire pour s'entendre. Moins de erreurs, ils vont envoyer le terrain. Vous voyez, très souvent, ça fait aussi mal. Et nous, entraîneurs, doivent faire beaucoup attention. Oui, Nini Sebabi, bonjour. Bonjour Franck, bonjour chers auditeurs. Vous êtes le président de l'association des entraîneurs de foot du Togo. Oui, une telle déclaration, qu'est-ce que ça vous fait? Vous avez été aussi entraîneur. Il vous arrive parfois aussi de vous en prendre aux arbitres à la fin d'un match. Bon, je pense que c'est un truc que nous déplorons tous par rapport à la déclaration ces derniers temps de nos entraîneurs. Je pense que par le passé, dans les années 2005-2006, parce qu'il avait les Babako, les Maouna Koudouli, les Nini Sebabi que je suis, les Tchani Lebana, les Tchani Le Tchakala. On ne se plaignait pas du tout des déclarations des entraîneurs en ce sens. Mais aujourd'hui,
Si ce n'est pas Dieu, c'est l'arbitre. Si ce n'est pas Dieu, c'est l'arbitre. L'analyse d'un match, on le fait au stage. Quand il vient au stage, Chanel Banal, là, il va témoigner. Un groupe de stage a passé chez lui. On fait toujours les analyses des matchs, les observations des matchs. Monsieur Jean-Luc Doulou est ici. Il voit chaque fois que nous faisons des recyclages. C'est ce qu'on appelle une partie spécialisée pour les analyses du match. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qu'ils en font. Parce qu'ils retournent dans leur club, c'est un peu dommage, comme l'a dit Mohamed Touré. Mais c'est trop dit quand il dit que c'est comme ils sont revenus du champ de choses. Là, je ne peux pas admettre ça un peu. Mais je pense que nous aurons, à la fin de cette saison, faire un recyclage en ce sens. Nous avons déjà pris des dispositions. Franck Mouniama nous avait édifié sur les audios des WhatsApp qu'il nous a envoyés un peu partout. Je pense qu'on va laisser le Dieu tranquille et puis faire nos observations du match d'une manière technique, d'une manière tactique, comment cela se doit dans un match. Oui, Jean-Louis Poudjolou, oui, cette déclaration, vous également, vous n'êtes pas d'accord. Je suis très peiné par la déclaration de ce jeune entraîneur parce que c'est un truc que moi je dis tout le temps, nous les entraîneurs, tu vois, les jeunes entraîneurs, ils ne veulent pas approcher les aînés. Ils ne veulent pas approcher les aînés, ils pensent qu'ils possèdent tout déjà. Et c'est la vieille école. Non, la vieille école. Mais qu'est-ce qu'ils viennent chercher en tout cas, moi, je ne peux pas aller prendre la place d'un jeune aujourd'hui parce qu'on me dit si il a fait ci, il a fait ça. Mais sur cette déclaration, ben, il va encore rencontrer cet arbitre-là pendant les 6 journées qui viennent. Il va en faire quoi? Il va dire, quelles que soient les décisions. Qu'est-ce qu'on lui demande? Il a déjà braqué l'arbitre. Ben oui. Qu'est-ce qu'on. Pas l'arbitre, le corps arbitral. Mm-hmm. Le corps arbitral parce que. Tout le monde va se dire, voilà, oui, c'est lui qui insulte voilà, les arbitres, c'est ça. Voilà, et ils ne sont pas comme ça, ces arbitres-là. Heureusement qu'ils sont là pour observer ce qui se passe véritablement sur le terrain. C'est ça qui est sa chance. Mais je dis, c'est dommage qu'à chaque fois, le président l'a dit tout à l'heure, à chaque fois, quand vous gagnez un match, on vous tend le micro, essayez d'analyser le match, les points forts de l'équipe adverse, les points faibles de l'équipe adverse, vos points forts et faibles, essayez de les analyser. Les points techniques, la tactique que vous avez adoptée, le changement de tactique que vous avez fait pendant le match pour arriver à ce résultat, tout ça là, il faut, c'est ça qu'on vous demande pendant, à la fin de match. C'est ça qu'on vous demande. On ne vous demande pas de parler du public, de parler de l'apport de l'entraîneur. On ne demande pas tout ça là. Toi, tu es un technicien, tu parles uniquement du match que tu as joué. Quel que soit le résultat, tu as été battu à domicile. Tu dis ce que tu as fait pour en arriver là. Tu as gagné à domicile. Tu dis le travail que tu as fait compte tenu de ce que tu as vu. Il faut toujours envoyer des éclaireurs de pointe pour suivre les séances d'entraînement de l'équipe adverse. Et vous avez un feedback. Et maintenant, compte tenu de ce qu'on vous a rapporté, vous faites un travail conséquent dans la semaine et c'est avec ça que vous allez faire les déclarations de fin de match. Ce n'est pas bien pour nos entraîneurs de toujours dire Dieu est là. La chance pendant le football, c'est 5%. Moi, je dis c'est 5%. Le reste pour gagner un match, c'est 95% de travail. Il faut travailler pour espérer gagner un match. Il ne faut pas tout le temps à la fin du match. Grâce à Dieu, j'ai pu gagner. Le public nous a supporté tout ça. C'est pas normal. Nous prenons, avant de retrouver Tiani Lebanan, nous prenons la direction de Sokodé pour y retrouver Guler Inoussa. Guler Inoussa, bonjour. Bonjour, Mouniama Faf, la rue des Colibris, Sport FM Lomé. Nous sommes là pour servir nos auditeurs. Bonjour à vous. Voilà, on fait un retour sur la 20e journée de la D1 nationale de football. Voilà, on sait que ASK a gagné face à Sarah. On sait que Fadan a fait match nul face à Koroki. Semassi a été battu par l'AS Togo Port 2. Oui, que voulez-vous dire par rapport à ces résultats-là? Ah oui, ben je crois que pour les résultats, d'abord, permettez-moi tout d'abord de féliciter tous les acteurs du monde sportif togolais. Et sur le match, d'abord commençons par ce match de Sokoré face à l'AS Togo Port Football Club de Lomé. Et vous savez, le public a reconnu que l'AS Togo Port en deuxième mi-temps a développé un football rationnel et propre, surtout avec la sortie de Gado Rachid et Brahimi Traoré, le coach malien, qui a apporté un plus avec le savoir-faire de Niama Akate et d'un certain Koulibaly Razak, qui ont mené une vidéo en ce match de Sokoré. 85e minute, un penalty indiscutable transformé par
le vieux renard Nyama Akate qui a réussi cette mission-là. Je crois qu'on n'a pas accusé qui que ce soit. Ils se sont seulement rabattus sur Fofana, Abou Bakar, qui est devenu en quelque sorte una persona no grata, hein, je dis bien, una persona no grata, par les supporters de ces matchs de Tokoré. Et à la fin, malgré une sécurité hors pair, un supporter a surgi et a enlevé sa chaussure sur le visage de Fofana Abou Bakar et a disparu comme de l'éclair parmi ce nombreux public. Un autre de jeter de l'eau là-dessus, mais la sécurité a vite maîtrisé la situation. Les choses sont revenues à la normale et on ne comprend plus rien. D'autres vaut qui n'est pas chanceux, d'autres vaut patati patata. Il faudrait rapidement que le bureau mette la balle à terre pour la suite de ce championnat. Ce que nous voulons parler peut-être de ces matchs de Tokoré pour Fouadan, qui a élu domicile à Kara pour des raisons de violence et Koroki, score nul et bien de 0 buts partout. Et du côté de Kara, l'intercept avant que Asco a fait une mauvaise impression, on reviendra pour parler d'un jour noir de la COSA. Pour ce qui concerne ASK et Sarah Sport de Bafilo, tout s'est bien déroulé, mais le mécontentement des supporters de Sarah, après le but de l'ASK de Kara, sur une faute, parfois nos joueurs sont à la base aussi de certaines violences. L'arbitre Potti indique le point où la faute est commise avec l'avantage de Sarah Sport de Bafilo. Le joueur, Apovonénier, envoie le ballon devant sur décision de l'arbitre qui demande de renvoyer le ballon au point indiqué. Les jeux de pierre provenant d'un supporter de Sarah. Rapidement, la compagnie républicaine d'intervention de Kara a remis de l'ordre pour permettre au jeu de se dérouler. Victoire de l'ASK de Kara. 1-0, but marqué par Nan Richard à la 82e minute. Pour ce qui concerne l'ASCO de Kara, les jours se suivent, eux se ressemblent, les requins, hein, après leur défaite face à thématique de Tokoré, ont dû déverser leur colère sur l'ASCO de Kara, battu 2-0. Et selon des informations que nous avons du côté de Kara, c'est des informations à prendre au conditionnel, à Olivier Kouévi serait en route, et les supporters considèrent Fatoumili avec comme Ouna Tafona, comme le cas de Fofana Aboubakar. Peut-être dans les jours à venir, on vous donnera plus de précisions. Fatoumi Liabe sera hors course et laissera les mains libres à Yves Okevi pour les 6 dernières journées où Asco va recevoir 4 matchs à domicile. Je dis bien 4 matchs à domicile, des matchs explosifs où ils veulent passer à partir de ces 4 matchs-là avant de jouer 2 matchs à l'extérieur. On le saura. Mais ce stratège à Yves Okevi, si cela est confirmé, que Fatoumi Liabe, qui sera le plancher des zones noires, et avec les 6 journées, les équipes sont averties comme Thémati de Tokoré, Dito, Maranata et Koroki Metete de Tchamba au stade général à Meyu de Kara. Il aura de l'électricité dans l'air. Asco veut profiter, bref, de ces 4 matchs à domicile pour sauver sa saison, quitter la zone relégable, nous, Nyama France. Mais nous allons aussi dire à la fédération qu'il y a des matchs à haut risque à l'intérieur du pays, même si le colonel même peut se déplacer. Ça fera plaisir, comme le match retour Tara Asco. Le match retour, Tara ASOTR, le match Koroki Tiketi de Bassar, le match Thémati ASK à Tokoré, c'est des matchs à haut risque que la fédération doit avoir un œil là-dessus, envoyer les vrais arbitres et les vrais commissaires de match Luna Mafran. Oui, voilà. Alors, que peut-on dire de la mobilisation au niveau de l'intérieur du pays par rapport au match qui s'annonce dans une semaine, match Bénin-Togo? Ah oui, les médias de l'intérieur du pays, par le trichement de la société Serou Transport, la mobilisation a commencé, la publicité a commencé au niveau des différentes radios de la place. Il y aura un bus qui va transporter ceux qui désirent aller à Cotonou le 24. D'abord, le Sokoré Lomé-Cotonou, et Cotonou Lomé-Sokoré à 10 000 francs CFA. 10 000 francs CFA, vous êtes déjà à bord de la société Serou Transport. D'abord, au petit matin, vers 2h du matin, le dimanche le 24, cap sur Lomé, arrivé à Lomé, autour de 8h, et tout le convoi va s'entraler avec les autres supporters de Lomé en direction Cotonou. Sokoré, Lomé, Cotonou, Cotonou, Lomé, Sokoré, 10 000 francs CFA, on y pense, et tout le monde y pense à ce match des éperviers du Togo là. Comme l'a dit le sélectionneur, on peut faire une opération commando là où on n'attend pas le Togo, comme le cas de Badou. Les Béninois sont avertis. Les Togolais pourront passer par là et puis se retrouver en Égypte. Merci Guélary Noussa. On est à la pause ce week-end. Reposez-vous bien. Voilà. Je crois que c'est tout un repos total, mais tout le monde retient son souffle. Sur le dossier à Guadeloupe, une histoire de Togolais, tout le monde retient son souffle. Quelle sera la décision finale? Mais selon les dernières informations, Kassadia a introduit un recours au niveau de la commission de recours par rapport à la commission d'homologation pour les matchs homologués du côté d'Unisport. À savoir le match
Bahoua de Koussountou. Non, non. D'abord, le match Unisport, pourquoi? Le match Unisport AS Bina, le match Unisport Odalou. Mais la confirmation qu'on peut aussi vous faire, le secrétariat de la Fédération béninoise de football confirme bel et bien que le joueur figure sur les logiciels au nom de Apo Safiana Nounyamafra. Oui, en tout cas, on retient tout le monde, retient son souffle, tant du côté des supporters d'Unisport. Oui, affaire à suivre, oui. À très bientôt, oui, tant du côté des supporters du club de Koussountou, ce ne sera pas facile. En tout cas, on dit que la fédération s'est tirée une balle dans les pieds en ne vidant pas ce contentieux avant d'aller jouer cette dernière journée alors que les tests le prévoient. On verra bien ce que ça va donner rapidement. On va faire le tour de table par rapport à ASCO, un club qui lutte contre la relégation. Pendant longtemps, on n'a jamais vu les condonnats lutter contre la relégation. On se demande... qu'est-ce qui se passe avec un club aussi bien entouré, avec un club qui, en tout cas, peut avoir rapidement de l'aide où il veut. Mais Tchanile Bana, vous connaissez ce club. Qu'est-ce qui se passe avec ASCO aujourd'hui dans la zone rouge? Oui, ça fait longtemps que j'ai quitté ce club. Oui. J'ai eu à le coacher en 96-97. Donc, je pense que c'est l'un des clubs les plus nantis du Togo. Donc, c'est un club qui a plus de moyens que les autres par rapport aux dirigeants que ce club regorge. Et qu'est-ce qui se passe? Mais ce qui s'est passé cette année, il y a eu quand même, dans un premier temps, il y a eu un recrutement qui a été fait par un entraîneur. Le Tudien. Après, il y a eu des petits problèmes financiers, des petits jets de peau de banane. Et le Tudien est parti. L'adjoint Batoumbi. Batoumbi a pris la reine de l'équipe. Donc c'est un jeune entraîneur que je côtoyais pour lui donner des conseils. Je lui ai dit, Batoumbi, tu as encore du temps, il faut quand même rester en retrait. Chercher à être toujours à l'apprentissage. Oui, mais il n'y a personne. Il est mais là, quand il n'y a pas quand il n'y a personne et que tu es adjoint, quand tu n'es pas encore aguerri, ne rentre pas dans la forêt. Fais venir un entraîneur chevronné avec qui tu vas faire. Mais est-ce que c'est lui qui prend les décisions? Non. Il est là depuis, il n'a pas été confirmé. Non, quand on est là depuis, on n'a pas été confirmé. C'est... quand on veut te confirmer, tu dis non, je n'ai pas encore les bagages. Vous voulez qu'il démissionne? Non, il ne doit pas démissionner, il ne démissionne pas. Il soumet une doléance aux dirigeants que vraiment j'ai encore besoin du temps pour me confirmer. Moi, avant de venir en équipe nationale du Togo, en 1998, on m'a sollicité. Le président de l'Étoile Filante Yekini et le président Rock m'ont sollicité en 1998. Je leur ai dit que non. Il me reste encore au moins deux championnats où je dois m'expérimenter. Peut-être le championnat nigérien ou le championnat ghanéen et voir le championnat ivoirien. Bon, Dieu merci, dans les deux ans, j'ai eu à coacher au Nigeria et en Côte d'Ivoire. J'ai vu mes forces. C'est à partir de là que je me suis confirmé comme sélectionneur. Donc j'avais fait déjà le Togo où j'ai gagné 6 titres. Donc je ne pouvais pas tout de suite dire que je suis confirmé pour une équipe nationale. Donc il faut savoir ce qu'on veut dans sa vie. Quand on veut être un grand entraîneur, il faut faire l'apprentissage. Nous, on a passé par l'apprentissage pour être là où nous sommes aujourd'hui. Le vieux Oscar Anthony, je suis musulman, il était chrétien. Les gens me disent, mais comment toi, un musulman, tu vas servir à un chrétien? Est-ce que tu es géomètre? Mais je dis, mais je suis revenu avec le troisième degré. Mais Oscar Anthony, quand je joue à Semassi, il nous a coaché. J'ai vu le bagage qu'il a. Je vais apprendre le métier chez lui. Donc, c'est à partir de là que je me suis confirmé. Et là, j'ai mené une aventure fructueuse au Niger. Donc, c'est ça qui manque à nos jeunes entraîneurs. Aujourd'hui, on vient de parler des propos qu'ils tiennent quand on les tend les micros. C'est qu'ils n'ont pas fait l'apprentissage. Et chaque fois, quand on veut parler, ils parlent de la vieille école. Cette vieille école, quels sont ceux qui les forment? C'est la vieille école qui forme la nouvelle école. Les gens croient que nous, on est déphasés. On est en avance sur ces jeunes entraîneurs parce que nous nous recyclons. Nous suivons les stages à l'avance. C'est vrai. C'est une réalité. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans ce championnat? On a commencé le championnat. Quels sont les jeunes entraîneurs qui sont partis?
la grande partie ont été remerciés. Et aujourd'hui, si vous voyez, au niveau de certains clubs, c'est ces anciens entraîneurs de la vieille école qui viennent au secours de ces jeunes entraîneurs. Moi, j'étais un jour dans un restaurant, et je ne veux pas appeler les noms. Des jeunes entraîneurs étaient là, à côté, ils disaient que non, on a le même diplôme. Actuellement, on a la licence B que Tchanile Bana et autres. On était à l'université, au restaurant de l'université. Là. Ils ont raconté des bêtises sur nous. C'est des bêtises, mais ce n'est pas la réalité. Quelle réalité? La licence B, comment ils l'ont obtenue? Nous, on avait les troisième degré avant de revenir. Nous, on a une équivalence. Ou on devait nous donner une équivalence de la licence A. Mais ça n'a pas été le cas parce qu'on n'était pas aussi nombreux. La CAF n'avait pas voulu envoyer un expert pour ça. Donc on avait voulu s'adjoindre à la Fédération béninoise pour qu'on ait au moins 19 personnes pour qu'on puisse faire cette équivalence. Et la CAF elle-même, elle s'est contredite. Il y a un nombre d'heures quand tu finis de faire en équipe A dans un championnat, un certain nombre de matchs que tu as eu à faire avec les sélections, avec les clubs, mais on te donne la licence, on te fait l'équivalent de la licence A. Mais c'est que nous-mêmes, on s'est tiré une balle dans nos pieds ici. Yeah. Bon, il y avait une petite concurrence, une petite considération. Nos devanciers ont voulu dire que c'est eux seuls qui devaient avoir ça. Et aujourd'hui, quels sont ceux qui sont les perdants? Le football. Ces jeunes, moi, je leur ai dit que leur licence B est encore verte. Bien. Moudjib Falada, bonjour, bonne arrivée. Vous allez bien? Oui, bonjour. Tout va bien. Oui, comment expliquez-vous cette dégringolade d'Asco? À 6 journées de la fin, mais le club est en souffrance. Hein? J'adhère à la réaction de Tchali Banan. Toutefois, il faut quand même reconnaître que le problème d'Asco est assez profond. Ce n'est pas seulement un problème d'entraîneur. Asco est un club atypique. Aujourd'hui, le problème au niveau de la gestion des clubs communautaires s'impose dans notre football. Vous savez, Asco, depuis que monsieur Bernard Walaï Kaïdé est parti, je pense qu'on n'a pas réussi à avoir un homme de vision à la tête de ce club-là. On a bonne souvenance que monsieur Walla avait quand même un projet ambitieux pour le club, mais depuis qu'il est parti, ce n'est plus ça. Vous savez, le problème également au niveau de l'organisation technique de l'équipe, parlant du staff, ça ne date pas de Moutoudier Maurice. Mmh. Hein. Plusieurs entraîneurs ont fait quand même leur passage dans la maison. Il y avait également Wadia, à son époque, qui s'est plaint d'un certain nombre de choses, des magouilles qui se manigançaient autour même du staff technique. Mmh. Et aujourd'hui, le problème est toujours là. Le coach a parlé tout à l'heure d'apprentissage des entraîneurs. Il a parlé à un homme averti. Le coach Jean-Louis a également appuyé cette version. Je pense que c'est vraiment le cas. Mais sauf que pour apprendre aussi, il faut avoir aussi l'envie de jouer au sapeur-pompier. C'est ce qui s'est passé avec Pachoubi, qui connaît la maison, il faut aussi le reconnaître. Vous savez, au début de la saison, lorsque Moussoudia Maurice a imposé une stratégie qui n'avait pas marché, et quand tout de suite Pachoubi Diabé a appelé les rênes de l'équipe, n'oublions pas qu'il a quand même réussi à réunir autour du club un certain nombre de cadres de cette équipe. Je veux nommer des joueurs comme Batastrom, qui à un moment donné ont pris quand même sur eux la responsabilité de redorer l'image du club durant cette compétition. Mais sauf que ça ne s'est pas inscrit dans la durée. Les problèmes persistent et il va falloir, à mon humble avis aujourd'hui, trouver aujourd'hui une politique ambitieuse à la tête du club. C'est un problème qui prévaut généralement au niveau des clubs identitaires. Semassi aussi est là, sauf que dans le cas de Semassi, le mécène, le prophète est toujours là à tout moment, contrairement à Asco. Oui, Mohamed Touré, on va rapidement terminer. Pour moi, je vois que le problème d'Asco, c'est que si on va parler, il n'y a pas de problème. Parce que si aujourd'hui Asco a un problème, ça veut dire qu'on n'aime pas le football dans ce pays. C'est vrai. Oui, aujourd'hui, s'il faut qu'un club fasse venir des joueurs de l'extérieur, franchement, Asco, c'est un club identitaire.
et que Sasco a les moyens de le faire. Les moyens sont où? Si aujourd'hui, c'est ça. On doit laisser ceux qui veulent faire le football ou le sport aux sportifs. Entre-temps, quand on parle de Cam Moutoudien, j'étais avec certains petits Tasco, Moutoudien, je pense que c'est avec le fait voilà qu'il était arrivé. Parce que lorsque Moutoudien a quitté, on était sur le stand d'Aoué, quand on parle de Moutoudien, on disait qu'il est chez Wallah, il est chez Wallah. Donc c'était le joueur d'Aoué, le premier match après la démission de Moutoudien. Donc les gens sont là, ils s'interrogent, s'interfèrent dans des affaires qui ne les concernent pas. Sinon, Asco ne doit pas avoir ce problème. Donc si Asco a ce problème, ça veut dire que les gens même veulent foncer Asco. Alors là, c'est logique qu'Asco descende en deuxième division. L'année passée, on a vu comment Asco a fait pour être en deuxième, en première division. Je peux dire même que le problème du football togolais l'année passée est né à base de ce point-là. Mmh. Comment les gens ont voulu maintenir Asco en première division. Donc, alors là, si aujourd'hui, on a fait tout pour sauver la saison passée, et que cette année, on n'a rien fait pour faire maintenir le club, bien pour sauver le club, si à la fin du championnat, on trouve Asco en deuxième division, on doit applaudir. Mmh. Asco, en tout cas, le danger est là. Après 20 journées, le club a 20 points, ça veut dire un point à chaque journée. C'est 20 points sur 60 possibles. C'est une performance vraiment minable, on peut le dire, pour les condonnats. Prosper, vous comprenez ça? Vous également, vous regrettez, on a discuté en off, hein, vous regrettez le départ ou bien la mise à l'écart de Bernard Higaïde Wallah? Oui, sûrement. C'est l'homme qui a la clé de voûte de l'énigme à Asco. Mais il a pris de l'âge aussi. Hein, il a pris de l'âge. Il fallait qu'on prépare cette relève-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se lever un jour, dire que, bon, ça suffit, on ramène quelqu'un. Monsieur, le président qui l'a remplacé, le président de la Chambre du commerce, Meba. Monsieur Meba, et qui l'a remplacé, un jour a déclaré que finalement il comprend, les mécènes du football, que en un mois vous dépensez des millions. Il a cité Améhi, il a cité Bernard. Il a dit qu'il n'en peut plus. Il n'en peut plus, lui, que franchement, déverser de l'argent comme ça dans le football, qu'il applaudit vraiment ses mécènes. Et il a même apprécié la qualité de ces deux hommes-là, au moins qu'il a cité. Donc je crois que Bernard Wallah reste la clé de voûte de cette énigme-là. On aurait pu préparer cette relève-là de manière efficiente. Et je crois qu'aujourd'hui, Asco ne serait pas dans ses passés. C'est un homme, regardez, à l'époque de Wallah, on va chercher des joueurs de l'extérieur, de qualité, qui viennent. Et vous vous rappelez, il y a eu une saison en 94-95, je crois, où Asco a fait un championnat sans faute. C'était avec le coach Zani. Voilà. On a fait 32 matchs. Voilà. Vous voyez à peu près. Donc, je crois que, vous savez, on dit souvent que, chez nous, on dit souvent que, Ahmed Tom Blanyana Mere, Obabé Abio, Amenon Visseo. Alors, Tokbo Mak Blanyana, ton grand-père qui te raconte des faits, et toi, tu cours vers ton père pour lui demander. C'est ça. Donc, je crois que il y a ce problème-là. Il va falloir que, à ce qu'on revienne au-delà des magouilles, tout ce qui se passe autour de ce club, il va falloir se ressaisir, retourner peut-être à la source. Ce monsieur a encore quelque chose à donner, même s'il n'est plus le président. Il a quelque chose à donner pour que cette équipe-là se relève. En tout cas, on reviendra sur ce club, parce que ce n'est pas normal qu'Asco se retrouve dans cette situation. Théo Ajavon, si vous êtes là, on va annoncer les éperviers. Et merci de faire confiance à la référence sportive. Dans une semaine, il y a une grosse actualité, un gros match entre le Bénin et le Togo, dans le cadre de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019 en Égypte. Et le morceau qui vient de passer, c'est un morceau qui plaît énormément à quelqu'un dans ce studio, Marc Tocquello. Oui, alors, Marc, voilà, dans une semaine, pratiquement, les éperviers jouent contre les écureuils du Bénin. Il faudra gagner pour passer. Un match nul éliminerait la sélection de Claude-Marie François Leroy. Alors, oui, aujourd'hui, à une semaine de cette grosse échéance, comment vous sentez-vous en tant qu'un conditionnel des éperviers, supporter du football togolais et surtout la sélection nationale? Franck, j'ai de l'appréhension, comme tout Togolais qui rêve de voir le Togo se qualifier.
Mais mon appréhension, elle n'est pas d'ordre scientifique technique. C'est une appréhension qui s'exprime hors du terrain. Parce qu'on a, on a vécu des années plus tôt des incidents. Vu l'enjeu qu'il y avait autour du match Bénin-Togo, et c'est une répétition. J'ai toujours pensé ou souhaité qu'il faut jouer et gagner ce côté du match, c'est-à-dire avoir un contact régulier, définir les conditions dans lesquelles ce match va être joué, calmer les esprits, parce que la tension, elle est là même si on essaie de jouer à l'apaisement. Moi, j'ai peur parce que je crois qu'il y aura de l'intimidation. Parce que les Béninois veulent passer par tous les moyens. Ils veulent gagner, ils veulent se qualifier. Et ils se disent que nous sommes à domicile, c'est la dernière journée. C'est un derby, il faut gagner le Togo. Cela dit, sur le terrain, je n'ai pas peur. Parce que on a les forces, on a surtout une histoire qui part pour nous. Les Béninois, oui, je ne méprise pas cette équipe. Ils sont en train de faire de belles choses depuis un moment. Mais face au Togo, je crois que avec l'effectif, avec l'expérience. Mais ce même Bénin est venu tenir le Togo en échec ici, hein, 0-0. Oui. Je suis d'accord. Moi, j'ai suivi, si tu veux faire des analyses à partir des résultats comme ça croisés, je te dirais aussi que le Togo allait battre la Gambie à domicile, tandis que le Bénin a coulé. Ben oui, le Bénin a pris 3-1 à Banjul pendant que nous les avions battus. Je crois que toutes les fois, j'ai vu jouer cette équipe-là face à l'Algérie. Malheureusement, j'étais pas à Lomé quand ils étaient là. Mais je pense qu'il y a de la place pour faire quelque chose. Le Togo peut l'emporter. Si, une fois encore, malheureusement, la conception ou la tendance en Afrique est que quand on joue à domicile avec un enjeu aussi important, il faudra inclure l'intervention de l'arbitrage ou de l'arbitre. Et tout ça, si tous ces paramètres-là sont bien gérés, moi je pense que le Togo a de la place pour passer. Nous allons tout de suite écouter le ministre de la Communication des Sports, Folly Bazi Qatari, par rapport à ce rendez-vous. Nous aussi, nous rentrons en contact avec notre collègue ministre des Sports du Bénin et notre collègue ministre de la Sécurité aussi a pris contact avec son collègue ministre de la Sécurité du Bénin pour que au moins les Togolais puissent aller et que tout se passe bien. Soyez rassurés, nous prenons les dispositions. Nous souhaitons vivement que la victoire soit de notre côté. De toute façon, ne soyez pas pessimistes. Parce qu'en football, on peut s'attendre à tout. On n'a pas besoin de jouer sur sa pelouse pour gagner. Il y a beaucoup d'exemples partout où les gens sont allés sur d'autres pelouses, mais qui gagnent quand même. À l'instant, le ministre Folly Bazi Qatari par rapport à ce qui se prépare autour de ce match. Nola Kinaborosé, même au niveau, au plus haut niveau du sommet de l'État, on est concerné par ce match-là. On vient d'écouter le ministre des Sports. Là, vous êtes rassuré? Bonjour, Franck. Bonjour. Je pense que le ministre a le droit de rassurer la population. Parce que quand on prend un match dans son organisation, ce n'est pas les joueurs qui organisent le match. Donc les joueurs, ils attendent juste que toutes les conditions soient réunies pour qu'ils puissent offrir un spectacle aux spectateurs. Maintenant, derrière, les deux États sont concernés, que ce soit le Togo et le Bénin. Les deux fédérations sont concernées, fédération béninoise comme la fédération togolaise. Donc, maintenant, il revient aux autorités de rassembler toutes ces conditions-là pour que les joueurs se sentent surtout en sécurité pour donner un spectacle. Parce que ça part de là. Si les joueurs ne se sentent pas en sécurité pour donner un spectacle, il n'y aura pas match. Si les spectateurs ne ressentent pas la même chose, il n'y aura pas de déplacement, il n'y aura pas d'ambiance dans le stade. Donc, je pense qu'il est important, maintenant, comme le ministre l'a dit, ces contacts ont été établis. Et je pense que voilà, le match se prépare très bien. Il revient maintenant à nos épreuves d'être super concentrés. Il revient au public de faire le déplacement aussi massivement possible. Et puis je pense que nous aurons
la chance de notre côté pour prendre des décisions sur le Bénin. Voilà, votre agence d'ailleurs a signé un contrat la dernière fois, c'est pas forcément pour ce matin, pour l'image certainement du foot togolais, notamment des éperviers. Qu'est-ce qui va être fait entre les deux structures? Bon, pour rappel, ce n'est pas uniquement mon agence, c'est un groupement que nous avons formé avec la structure Viva Malix, qui est une structure spécialisée dans le marketing général. Moi, mon cabinet BNB Sport Consulting vient avec sa spécialisation en marketing des sports. Donc, c'est un contrat qui fait suite, on va dire, à la vision de la FTF pour leur projet Forward 2.0 qui va complètement relancer l'administration de la fédération. Donc, nous, on vient maintenant pour mettre les bases en termes de marketing, c'est quoi? C'est mettre en application les stratégies, que ce soit la promotion, la publicité, le merchandising, le lobbying, tout cela pour que voilà, tout ce que la fédération va faire en termes d'activité, que ce soit les compétitions nationales, les coupes domestiques, les événements et même les éperviers, qu'on renforce cette visibilité-là et faciliter tout ce qu'on aura à faire en termes de sponsoring. Donc c'est un peu la mission que nous avons à faire d'ici là. Bon, ça ne sera pas facile non plus, mais bon, on compte spécialement aussi sur la fédération, sur leur professionnalisme, sur l'engagement. Et puis, c'est encore une fois lieu de remercier la fédération pour l'effort qu'ils ont commencé à faire il y a 3 ans déjà, cet engagement qu'ils ont pris pour que le football reparte sur de nouvelles bases. Moudjib Falana, vous avez écouté le ministre des Sports. Ce sera très important de rassurer d'abord les joueurs quant, on va dire, à la sécurité. Autour de ce match-là, les joueurs, en tout cas tout ce qui va entourer ce match-là, a besoin de sécurité, parce qu'on a derrière la tête, ou bien encore dans la tête, ce qui s'est passé il y a quelques années. Oui, en football, lorsque vous êtes dans un cas comme ça, il y a ce qu'on appelle la préparation invisible. Et je pense que c'est ce qui est en train d'être fait, hein, le travail en amont dont on parle souvent. Maintenant, moi personnellement, j'ai un peu peur que l'enjeu ne tue pas le jeu. Ça sera une opposition âprement disputée entre deux nations. Vous savez, il y a un mythe qui persiste, hein, le mythe de la supériorité du football togolais sur le football béninois. Mais ce qu'il faut aussi reconnaître, c'est qu'avec le temps, les croyances ont changé. Le Béninois ne perçoit pas ce mythe actuellement de la même façon, ce qui fait qu'on va assister à un match très engagé du côté béninois. Maintenant, il va falloir que nos ambassadeurs ne tombent pas dans le piège du Béninois. Nous allons écouter l'entraîneur, sinon le sélectionneur des éperviers, Claude-Marie François Leroy. Visiblement, le technicien français reste confiant. C'est la 6e fois que je vais jouer une qualification sur un dernier match, hein, et très souvent à l'extérieur. Donc, faut pas jouer le match avant qu'il ait lieu. Il faut surtout pas tomber dans les provocations. Il faut garder beaucoup de sérénité. Je sais pas si ceux qui étaient là se rappellent au Liberia. Je pense que j'avais jamais connu pire dans ma carrière que, je suis peut-être en Guinée équatoriale et au Nigeria une fois, mais que ce qu'on avait connu au Liberia. Donc, il faut garder beaucoup, beaucoup de sérénité, se concentrer sur un objectif, pas commencer à se plaindre, pas commencer à dire que, avant que le match ait lieu, que c'est de la faute d'un tel et tout. On sait qu'on va démarrer l'entraînement le 18, qu'on fera un dernier entraînement le 22 au matin ici et qu'on partira le 22 dans l'après-midi. Voilà, on a tout planifié, tous les horaires vont être respectés. On m'avait demandé avec quel moyen de transport on voulait y aller. J'ai dit que le meilleur moyen de transport pour y aller, c'était un bus, hein, tranquillement, pas faire preuve d'arrogance en disant, par exemple, qu'on voulait aller en avion, tout ça. Non, c'est pas très loin, c'est pas un déplacement. Il y a une escorte pour aller jusqu'à la frontière, il y en a une du côté béninois. On va y aller en bus, tranquillement, faire un entraînement le samedi à l'heure du match, et puis après se concentrer, travailler tactiquement, parce que même s'il y a d'Almeida, Poté et ses saignons de suspendus, il leur reste encore des joueurs de qualité. On les suit tous dans leur club, tout ce qu'ils font en ce moment, comment ils réagissent. Voilà l'entraîneur, le sélectionneur des éperviers du Togo, Claude-Marie François Leroy, qui dit oui, il ne faut pas être arrogant, il faut être simple, faire le voyage en bus, ça ne sert à rien de prendre un avion. Ça fait la 6e fois qu'il va jouer sa qualification sur la dernière journée des éliminatoires. Il est confiant par rapport à la qualification donc des éperviers pour Égypte 2019. Oui, Nini Sebabi, vous avez eu à jouer un match aussi, on va dire, un match similaire en championnat où peut-être vous devez gagner pour avoir le titre ou gagner pour prendre des points importants. Ça vous est arrivé? Oui, bon, ici, les cas sont vraiment différents. Mm-hmm. Ici, c'est au niveau de l'équipe nationale. Nous allons quand même faire l'amalgame entre les deux choses.
mais qui ne sont pas justes. Ici, nous sommes dans le cadre de l'équipe nationale. Et moi, je m'en vais parler d'abord de la nature du match. Ça veut dire que nous jouons à l'extérieur. Et nous devons prendre des dispositions, le staff technique en sert. Et puis, après la nature du match, nous allons parler de l'enjeu. L'enjeu sera de trois façons. Parce que les trois façons se résument comment? La première, c'est l'équipe béninoise. Soit elle fait un match nul, elle est qualifiée, elle gagne, elle est qualifiée. Et nous, lorsque nous allons gagner, nous serons qualifiés. Donc c'est l'enjeu sur les deux équipes. Maintenant, au niveau du staff technique, je pense que le travail sera fait des deux côtés. Le staff technique béninois aussi va préparer le match contre eux. Il a observé déjà l'équipe togolaise, il a joué avec l'équipe togolaise, elle connaît déjà nos points forts, nos points faibles. Nous aussi, nous avons joué avec le Bénin, on connaît leurs points, leurs faibles. Maintenant, c'est le travail des deux staffs techniques qui va arriver. Maintenant, après le travail des staffs techniques, il y a maintenant les joueurs. Les joueurs. Les deux staffs vont préparer les joueurs en forme du moment. Le nôtre, puisque c'est nous, il s'agit de nous, il faut que le nôtre vraiment fasse vraiment un travail de professionnalisme, aligner les joueurs qui sont en forme du moment. Vous comprenez? Maintenant, les stratégies. Non, bien avant les stratégies, la tactique du jeu. Vous comprenez? C'est quelle tactique, après avoir observé l'équipe adverse, il faut mettre en place pour aller gagner l'équipe chez elle, puisque la nature, on joue à l'extérieur. Voilà. Donc, il doit rassembler tous ces éléments pour pouvoir faire un bon match au Bénin. Lorsque nous allons quitter la tactique du jeu, nous allons parler aussi des stratégies. Parce qu'il doit mettre des stratégies en place. Et après cette stratégie, nous allons parler aussi du jeu, l'organisation du jeu. Il a déjà joué 5 matchs. Il connaît les joueurs, les combinaisons qui vont marcher, les combinaisons qui ne vont pas marcher. Donc c'est à tout ça là qu'on va s'atteler pour attendre le travail vraiment de l'entraîneur pour qu'on puisse aller faire un bon résultat. Voilà. Tianine Bana, oui, vous avez entraîné cette équipe du Togo. Vous, à votre niveau, est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez attendu la dernière journée pour aller chercher les points et pour assurer votre qualification? Non, je n'ai jamais attendu les dernières journées pour arracher mes qualifications. Oui, mais un tel match comment? En tant que titulaire de 2000 en 2002, je pense que j'ai gagné presque tous mes matchs. Et à deux journées, j'étais déjà qualifié pour la CAN. Donc aujourd'hui, on se trouve dans une difficulté où on doit jouer comme un match de coupe. Alors que les Béninois auront la chance de jouer comme un championnat. Ils peuvent opter pour un match nul et voir si la chance les sourit, gagner le match. Alors que le Togo a obligation de gagner son match. Donc c'est un match de coupe. Un match de coupe, un coup KO. Donc je pense que les Béninois ont plus de largesse pour asseoir un système de jeu qui puisse les permettre de se qualifier. Mais comme l'entraîneur, lui, il a eu souvent la chance de jouer les matchs de la dernière journée. Donc il a sa politique à lui, il a sa manière de jouer ces matchs de dernière journée. Vous voulez donner quelques conseils peut-être? Bon, donner des conseils, j'allais les donner depuis longtemps, puisque à un moment l'équipe avait pris une bonne courbe, mais avec le match de Togo-Algérie, vraiment, cette courbe a été brisée et d'une manière accidentelle. Donc aujourd'hui, ce que, en tant que bon patriote, vraiment, nous devons vraiment être de cœur avec notre équipe nationale pour qu'elle puisse quand même gagner ce match. Puisque nous n'avons que la victoire pour nous qualifier, alors que les autres ont la victoire pour se qualifier et ont en même temps un match nul pour se qualifier. Donc nous devons... Il y a deux possibilités pour le Bénin, mais pour le Togo, il n'y a eu qu'une seule possibilité. Pour le gagner. Bénin, gagner. Pour le Togo, c'est gagner. Pour le Bénin, il y a deux possibilités. Gagner ou faire un match nul. Alors que le Togo... C'est gagner ou rien. C'est gagner ou rien. Donc voilà les chances qui sont là.
mais nous allons tirer les draps vers notre côté pour que nous puissions nous qualifier. Très bien, nous allons écouter un responsable de ligue, celui de la ligue Lomé Golf de basketball qui s'intéresse aussi au football, le président de la ligue Lomé Golf de basketball, Adrien Béliki à côté, qui reste aussi confiant. Leur avenir, et c'est normal, c'est pour leur vie et leur suivi et leur avenir également. Mais il faudra qu'on crée maintenant une équipe. Une équipe, Claude Roy a le devoir. On l'a toujours baptisé, on l'a toujours surnommé le sorcier blanc. Il faut qu'il sache qu'il faut créer maintenant une équipe. Et cette équipe doit répondre à une vision que le Togo s'est donnée, c'est-à-dire avoir un beau football, comme on en avait eu, et qui draine les gens dans la rue lorsque le Togo gagne. Voilà, vous avez peur pour le match du 24 contre le Bénin, puisqu'il faudra gagner pour passer. Non, mais moi je n'ai pas peur, je sais que s'il y a la volonté et qu'il y a cette équipe, c'est que c'est grâce à une équipe que l'on gagne et non pas avec des individualités, bien sûr, je suis sûr qu'on peut gagner. Voilà, Adrien Béliki à côté, président de la Ligue Lomé Golf de basketball, Prosper Aboklou, voilà ce qu'il dit, il reste confiant, il faut avoir une équipe et si les joueurs en leur sein savent que oui, il faut jouer de façon collective et non individuelle, ça pourrait passer. Oui, je suis d'avis avec lui et au même moment avec... Marc Tokendo, qui parlait tout à l'heure donc, du côté extra. Je voudrais tout simplement c'est que les joueurs, eux, ils seront, quoi qu'il en soit, en sécurité. Parce que les Béninois ne voudront pas tout de suite agresser les joueurs togolais. Mais c'est au niveau des supporters. Et quand le ministre a rassuré, on se rappelle en 2007, le ministre des Sports à l'époque avait été bien molesté, tout comme nous. Donc je crois que pour moi, ça reste dans les mémoires. Il va falloir que l'autorité togolaise ne minimise pas tout simplement la réponse donnée par leurs collègues béninois pour dire aux Togolais, il faut qu'on sorte un communiqué. L'État a le devoir de protéger ses citoyens sur le territoire, mais de demander, d'exhorter les Béninois à nous protéger sur leur territoire. Parce qu'on a, pour ceux qui ont été en 2007, on se rappelle, et on est dans les mêmes conditions aujourd'hui. À l'époque, ce n'était pas pratiquement les mêmes conditions. Il fallait gagner, les Béninois voulaient gagner. Mais cette fois-ci, c'est gagné pour se qualifier directement. Donc, il va falloir que l'État prenne vraiment, vraiment ça au sérieux. Parce que nous ne voulons pas aller revenir et rentrer sur le territoire béninois avec la peur au ventre et revenir quand on sait que les Togolais ont la possibilité de gagner. Et c'est là où je reviens sur le terrain pour dire que moi, au départ, j'étais tout à fait pessimiste. Mais avec un certain nombre d'éléments, je reviens un peu pour dire que oui, il y a le patriotisme qui est là également. Mais comme là, particulièrement dans ce patriotisme, moi, j'ai localisé un certain nombre de gens. Je voudrais que le Togo se qualifie pour saluer la mémoire de la disparition de la femme d'Abalo, pour le consoler, et évidemment, et également de Jane Dakoran, que franchement, je voudrais voir encore au plus haut niveau. Et si cela ne tenait qu'à ces gens-là, moi, je ne parlerai pas de la qualification du Togo. Parce que pour moi, il faut des repères pour pouvoir aller de l'avant pour le football. Donc, Claude-Marie François Leroy a dit que les 6e journée Lyon toujours souri. Que je rejoins Charlie qui le disait, que cette chance-là, vraiment, faudra pour que le Togo se qualifie. Bien. Vous avez cité un nom, Jane Dakonam, que beaucoup appellent le général. Il va être le dernier joueur à rejoindre le groupe parce qu'il joue à Valence et ce n'est qu'après le match qu'il va prendre l'avion pour descendre à Lomé. Je propose d'écouter Claude-Marie François Leroy. Nous, on a quelques joueurs qui manquent de temps de jeu en ce moment, donc il faut voir. Il y a plein d'options tactiques possibles pour ce match. Les choix seront difficiles, mais ça sera à moi de les assumer. Vous rassurez le public, coach, Jane, il sera à Cotonou. Pourquoi voulez-vous pas? Il y a un doute au sein de l'opinion. Pourquoi? Par rapport à son carton rouge pris en Gambie. Quel carton rouge? Jane Dakonam. Il avait pris un carton en Gambie. Mais il a purgé son match. Oui, c'est ce que je dis, vous rassurez le public. Bien sûr, ce sera le dernier qui y arrivera par contre. Donc ne soyez pas étonnés, vous le savez en avance, vous avant tout le monde, en exclusivité, à savoir qu'il joue à Valence, je vous dis pas de bêtises, le 17, donc vous connaissez la distance Valence dans le sud de l'Espagne avec Madrid, donc il rentre le 18, il peut pas prendre un avion le 18, vu l'heure à laquelle il rentrera de Valence, donc il prendra l'avion le 19,
Oui, le 19. Et il arrive, il atterrit à 21h le 19. Voilà, ça sera le dernier arrivé. Mais il sera là, oui. On a besoin de lui. On l'a vu contre l'Algérie. Jane Dakonam, le général. Le général, oui, c'est l'un des atouts majeurs de cette équipe, Jean-Louis Koudonou. Oui, il faut dire que Jane a véritablement évolué ces quatre dernières années, ça il faut le dire. Et il a vraiment progressé, ses performances le prouvent déjà. Et c'est surtout sa manière de jouer qui a fait qu'il avait coupé d'un carton rouge maintenant qu'il revient. Il gagne beaucoup en expérience quand même, c'est ça qui est bien pour lui. Bon, on attend que... Là, pour une première fois, je suis un peu satisfait du nombre de joueurs convoqués, surtout leur qualité. C'est ça qui me plaît un tout petit peu. Je peux aborder un tout petit peu dans le sens du match lui-même. Là, je félicite l'État pour le travail abattu depuis un certain temps avant cette rencontre. Ce n'était pas le cas quand on nous avait tapé là-bas en 2007. Ce n'était pas le cas. Maintenant qu'ils ont essayé d'aplanir beaucoup de divergences et de mettre les conditions sécuritaires en place, je veux bien croire qu'il y aura confiance d'abord au niveau des joueurs, surtout au niveau des supporters, pour effectuer le déplacement sur Cotonou. C'est très important parce que l'appui du public, des supporters, est très important dans un match. Donc je pense que ce serait bien. Moi je dis, au jour d'aujourd'hui, c'est le Bénin qui est dos au mur. Hein. Et ce match-là va jouer. Contrairement à ce que disait le grand frère Bana tout à l'heure, je dis, c'est le Bénin qui va jouer avec beaucoup de pression. Ouais, parce que le Togo connaît à peu près sa position et maintenant, sursaut d'orgueil, c'est ce match-là, comme ça on va le jouer, c'est avec un sursaut d'orgueil et c'est les Béninois qui seront crispés, hein, sérieusement crispés pour aborder cette rencontre. Et surtout que cette équipe des Éperviers a en son sein des jeunes entraîneurs tels que Abal Dossé, oui, que je salue ici, hein, et puis Agassa, qui ont déjà joué de pareils matchs. Ils ont déjà joué de pareils matchs. Et je pense qu'ils sont là, à côté de Claude-Marie François Leroy, pour pouvoir, en togolais, après les discussions avec Claude, je pense que ces deux anciens joueurs peuvent maintenant regrouper les togolais pour leur donner certains conseils, certaines consignes, et surtout leur inculquer certaines manières d'affronter de pareilles rencontres, de jouer de pareilles rencontres. Je pense que le Togo peut s'en sortir quand même. Sinon, c'est un match aux issues incertaines. Mmh. Ouais. Mohamed Touré, oui, l'un des joueurs qui vous intéresse vraiment, vous en parlez toujours dans cette sélection, c'est véritablement Jane Dakonam. Vous pensez aujourd'hui que c'est lui le patron, c'est lui la locomotive aujourd'hui qui draine le reste de la défense et d'ailleurs toute l'équipe? Oui, aujourd'hui, tout à l'heure, le coach vient de parler qu'il est en train de gagner. Moi, j'ai dit, ne sens pas qu'il est en train. Il a gagné, il a déjà gagné. Parce qu'avoir Jane Dakonam depuis qu'il arrive à Getafe, c'est toujours titulaire. Le gars, il n'a jamais été remplacé aussi. Ici, c'est peut-être quelques matchs. Donc, je vois que son retour, vraiment, c'est un point positif pour le tout. Ça, c'est un point positif. Et puis, on peut compter sur lui, surtout en défense. Mais seulement, moi, ce que j'ai pu un peu soulever. On parle, le ministre a parlé, tout le monde est en train de dire, mais les Béninois restent tous les Béninois. Moi, je pense que ce match a dit que les conditions sécuritaires devaient dépasser le stade de Misasa. Ça, franchement, il faut qu'on se le dise. Je suis dans Yoto, c'est la rivière qui me sépare du Bénin. Et c'est ce qui se passe avec les Béninois. Et puis, la mentalité des Togolais, c'est un peu différent des Béninois. Au moins, les Togolais, quand on les parle, il ne faut pas faire ceci, ils comprennent. Mais les Béninois, attention. Il m'a fait la question dans la tête, surtout que c'est un enjeu très capital pour la qualification. Alors je pense que si les deux chefs d'État même peuvent se rencontrer et sortir un communiqué officiel, et aussi que la CAF même intervienne dans cette affaire, je pense que ça serait bien pour le Togolais. Vous avez pu parler des déclarations de Claude Leroy, je pense que c'est quelqu'un qui a toujours à dire, il aura toujours à dire, donc moi je veux souhaiter qu'il attende peut-être la fin pour nous faire sortir sa chimie qui a marché. Sinon franchement, je pense que toutes ces déclarations depuis qu'il est arrivé, aujourd'hui cette situation c'est lui qui l'a créée. C'est Claude Leroy qui a créé cette situation, sinon vu comment nous sommes, le Togolais ne doit pas être dans cette situation, peut-être qu'on devait être déjà qualifié.
Donc, je reviens un peu sur le coach qui a essayé de flatter certains emballots et puis encore ça. Moi, je pense que franchement, il ne faut pas les flatter, qu'ils vont apporter quelque chose. Depuis qu'ils sont là, ils n'ont rien apporté. On a vu à Balo de CRC aujourd'hui même. On souhaite que le Togo soit là. Quand on a vu à Balo de CRC, il est en train de fumer. Moi, je pense que c'est un point négatif. Depuis son retour au Togo, il n'a plus marqué de points négatifs. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est tout le Togolais qui doit être derrière les joueurs. Et puis, le point fort aussi, c'est que la dernière rencontre contre le Bénin, il y avait des défections à la dernière minute. Je pense qu'aujourd'hui, tous les joueurs doivent. C'est ce qui même a motivé les Binois même à nous saccager. Donc, les joueurs doivent être unis. Quel que soit ce que les rumeurs qu'ils attendent, dans les oreilles, ils doivent savoir qu'ils vont à une équipe et que leur sécurité sera assurée. Mmh. Marc Tokendo, lorsqu'on vous demande aujourd'hui de préparer une équipe. Vous n'êtes pas sélectionneur, vous n'êtes pas technicien, c'est vrai, mais vous connaissez les joueurs qui peuvent tenir. Mais est-ce qu'il faut aller observer? Est-ce qu'il faut attaquer tout de suite? Est-ce qu'il faut être méfiant? Comment est-ce qu'il faut attaquer un tel match selon vous? Mais c'est simple, Franck. La configuration, elle est même déjà posée. On a fait les prédécesseurs ont dressé le tableau. Le Bénin n'a besoin qu'un d'un match nul, tandis que le Togo doit gagner. Et je rejoins Jean-Louis pour dire que cela met plus la pression aux Béninois, parce qu'un faux pas, ils prennent un but, une contre-attaque, ou en tout cas un but, et là, ils vont jouer de manière très fébrile. Et je crois que le Togo devait aussi être à l'affût et saisir cette occasion. Donc, le Togo doit jouer son va-tout. Attaquer, on n'a rien à perdre. Si on prend un but, on est déjà éliminé. De toute façon, le match nul, le 0-0 nous éliminait. Donc, on se découvre, on joue et il faut harceler cette défense béninoise jusqu'à les pousser à la faute. Et voilà, je pense que c'est simple. Il faut jouer, il faut jouer. On ne peut pas calculer dans cette configuration-là. Il faut jouer, attaquer à outrance et créer la faille, l'exploiter et puis bon. À la fin des 90 minutes. On fera le compte. Voilà. Mmh. Tianile Bana, si vous étiez à la place de Claude-Marie François Leroy, beaucoup disent qu'avec vous, c'est du José Mourinho, c'est le 9-1, vous jouez surtout sur la défense. Mais sur ce genre de match, par exemple, si vous étiez à la place de Claude-Marie François Leroy, qu'allez-vous mettre en place? Vous allez attaquer, vous allez observer, vous allez jouer sur la réserve. Comment allez-vous dire, quel est le discours que vous allez porter vers vos joueurs? Bon, j'ai dit que je n'ai jamais joué ce type de match. Si vous étiez... Je ne suis pas un entraîneur de coupe, je suis un entraîneur de championnat. Mm. Si vous avez vu dans mon CV, il n'y a pas assez de coupes, mais il y a assez de titres de champion. Mm. Bon, il y a une stratégie que si j'étais le coach de cette équipe qui va aller gagner ce match, je vais jouer dans un premier temps à la prudence, ne pas chercher à prendre un début en première mi-temps. Donc je vais jouer médian et donner un peu d'espace. Vous n'allez pas beaucoup vous découvrir. Je ne vais pas trop me découvrir, puisque toutes les équipes sont vers la fin de leur championnat et que les joueurs sont épuisés. La courbe physique, elle est faible actuellement. Les équipes ne font pas les matchs très physiques maintenant. Les entraînements, c'est des entraînements de maintien qu'ils sont en train de faire. Est-ce que cet enjeu ne dépasse pas tout? Les joueurs n'oublient pas ce côté physique? Est-ce qu'on ne se donne pas à fond? On ne peut pas se surpasser quand on n'a pas les moyens physiques à sa disposition. On ne peut pas se décarcasser. Donc là, on doit jouer avec l'attitude actuelle et la position actuelle de nos joueurs. Voir dans quel type de championnat ils jouent. Combien de matchs les joueurs ont joué. Une stratégie. Donc la stratégie qui sera plus payante, c'est de jouer médian. Donner 30 ou 25 mètres à l'adversaire dans son camp, et le surprendre et mener des attaques rapides. Bon, les contres aussi peuvent marcher. Quand on veut jouer les contres, il faut aussi jouer plus défensif. Donc, pour moi, ma philosophie, l'équipe qui défend plus gagne ses matchs. C'est vrai. Mais l'équipe qui attaque, quand elle n'a pas les forces d'attaquer, quand on veut attaquer, on n'a que 25 minutes. Hein. Après les 25 minutes, on perd le match.
Donc, la stratégie... Vous voulez qu'il joue sur la prudence? Il doit jouer sur la prudence et maintenant, compter vers la fin du match une surprise. Créer une surprise, avoir des... Est-ce que si l'équipe ne marque pas vite, le doute ne s'installerait pas? Plus l'équipe va vite marquer, plus elle va avoir des pressions. Oui, parce que... Marquer plutôt dans ce match, c'est pas mieux que de marquer... Dans ce match, il faut marquer vers la dernière, vers la fin du match et surprendre l'adversaire. Si vous trouvez le but tout de suite, sûr, vous non, vous je parle en tant qu'entraîneur. Et l'expérience que j'ai eue, il y a des, pour gagner chez l'adversaire, il faut des victoires de surprise. Par exemple, si en Gambie, on avait mis le but très tôt, les Gambiens allaient remonter le but. Donc les Béninois ont besoin d'un match nul pour se qualifier. Donc, il faut aller mollo, les flatter, les faire oublier leur stratégie et maintenant les surprendre vers la fin du match. Très bien. Et puisqu'il faut reconnaître que ce match sera un match gratuit. Depuis un certain temps, les Béninois ne prennent plus les prix d'entrée. Il n'y a pas de prix d'entrée. Donc, vous allez voir que la population béninoise sera plus... Les supporters béninois seront en grand nombre. Très nombreux, et les Togolais qui vont aller doivent être déjà à 7h ou à 8h au stade. Pour pouvoir trouver des places. Pour pouvoir trouver des places. Bien. Seulement, ils vont réserver une petite partie pour la délégation. Pour les supporters togolais, ils vont réserver une tribune ou bien une partie. Et là, ça serait les supporters organisés qui auront cette chance. Donc, je pense que nous devons jouer la prudence et surprendre. Voilà. Nola Kinaborosé, vous êtes d'accord avec le coach? Jouer sur la prudence, faire dormir un peu les Béninois avant de les surprendre? Ils ne veulent pas dormir. Avant de répondre, je suis déçu sur le discours de Claude. Moi, je pense que c'est important qu'il rappelle aujourd'hui son vécu en termes de... Il a plusieurs fois fait des derniers matchs. C'est important, c'est pour se libérer aussi. Donc, il libère un peu la pression. Et c'est important que les joueurs suivent cette dynamique-là. Parce que si vous avez votre entraîneur qui est sous pression, ça veut dire que toute l'équipe peut couler. Donc, c'est important qu'il fasse ce discours-là pour rassurer, pour installer la sérénité. Maintenant, pour suivre ce que le coach Tchaliné a dit, je ne suis pas parfaitement d'accord. Parce que c'est le genre de match où on s'attend, dans les 10 premières minutes, à marquer un but. Ça, c'est important. Parce que sur ce genre de match, comme je l'ai souvent dit, le résultat d'un match ne dépend ni d'abord le nom de l'équipe, l'histoire, ni l'image. C'est la forme des joueurs. Donc cette forme-là, il faut la comprendre sous plusieurs aspects. Il y a la forme mentale qui va beaucoup jouer. Il faut que les joueurs se disent, ce match-là, on y va pour gagner. Quelles que soient les conditions extra-sportives, on y va pour gagner. Ensuite, les conditions physiques, forcément, on ne va pas convoquer des joueurs blessés. Donc si on a des joueurs sans bobo, on est sûr de gagner des duels physiques, on est sûr d'être résistant, performant. Il y a aussi la santé spirituelle. Il faut que nous soyons tous unis. C'est-à-dire, on doit avoir la même prière. C'est important aussi. L'autre aspect, c'est la santé émotionnelle. Les joueurs ne sont pas là aujourd'hui pour entendre tout ce qui se dit ailleurs. Il faut qu'ils soient concentrés. Il faut qu'il n'y ait pas de négativité qui vienne embrouiller les joueurs. Quand on rassemble tout ça maintenant, on est prêt pour faire un match. Il faut jouer le match, il faut aller à fond, il ne faut pas attendre quoi que ce soit. Quand il y a une occasion, on met un but. On pourrait mettre deux buts dans les 15 minutes. Il ne faut pas laisser le Bénin jouer, il ne faut pas s'attendre à faire des surprises. Non, il faut aller en même temps. Même si on encaisse, ça, on peut se remotiver, égaliser, surprendre le Bénin, marquer d'autres buts. Donc moi, je pense que c'est un match dans lequel il ne faut pas hésiter du tout. Il ne faut même pas laisser un ou deux mètres à l'adversaire, il faut aller à fond. Voilà, et puis, plus on marque, plus on se libère. On se met en confiance et on va voir que voilà, c'était pas un match si compliqué. Moudib Falana, on a annoncé le retour d'Alexis Romao, l'un des plus expérimentés. Il est avec la sélection nationale, ça fait quand même une quinzaine d'années. Il a de l'expérience, rien à dire. Son retour aujourd'hui pourrait-il constituer un paramètre confiance et solidité pour la sélection? Vous savez, Franck, le premier motif aujourd'hui de satisfaction côté togolais, c'est que nous avons retrouvé, à quelques exceptions près, la colonne vertébrale de l'équipe. Au niveau de la défense, vous avez parlé tout à l'heure de Dienda Kounam en tant que tour de contrôle de cette défense-là. Et dans l'entrejeu, nous avons Alexis Romao. Et n'oublions pas que devant, nous avons également un joueur comme Laba Fodo, qui depuis quelques temps ne cesse de nous planter des banderilles. Donc ça veut dire quand même que cette équipe a de la ressource.
Maintenant, nous avons parlé autour de cette table de Claude Leroy qui doit libérer son équipe. Vous savez, nous sommes journalistes et aujourd'hui, dans nos analyses, dans nos écrits, il est difficile de désigner Claude Leroy sous le vocable sorcier blanc. Je pense quand même que le football a dépassé un peu l'étape de la sorcellerie et il va falloir que Claude Leroy nous propose quelque chose de beaucoup plus scientifique. À un moment donné, il faisait la sourde oreille. Aujourd'hui, quelque part, il a fait peut-être une autocritique. Il sait que pour cette expédition, on a besoin des joueurs expérimentés. Et d'où d'ailleurs, je vous rejoins dans votre analyse par rapport au retour de Jacques-Alexis Romao, qui a quand même une expérience des joutes continentales. Donc ça veut dire que nous avons un match qui va se jouer beaucoup plus dans les têtes. Je pense même que le match a déjà commencé dans les têtes. Et vous savez, lorsque vous jouez un match trop dans la tête, je parle bien sûr sous le contrôle des techniciens qui sont autour de cette table, le match là, le jour J, souvent est engagé sur un faux rythme. Mm-hmm. Donc il va falloir reposer la stratégie sur la concentration et puis sur l'efficacité. Même lorsque vous avez une demi-occasion, il faut avoir les ressources nécessaires pour la transformer en but. C'est ce que je pense. Oui. Mohamed Touré, cette équipe, tout le monde le reconnaît, a les moyens d'aller battre le Bénin. Le Togo, on ne l'attendait pas à Banjul. Le résultat est là, une victoire d'un but à zéro. C'est d'ailleurs cette victoire qui permet quand même au Togo aujourd'hui de continuer par rêver pour une qualification. Oui, quel est selon vous le compartiment le plus fort de cette sélection togolaise? La défense, le milieu, aujourd'hui, l'attaque? Avec le retour de Kenda Konan, je pense que c'est la défense. Parce que nous avons eu face à l'Algérie, c'est que si on a sombré, c'est grâce à la défense. C'est la défense qui nous a fait sombrer. On ne sait pas. Mais moi, je vous avais dit ici plusieurs fois que quand le Togo joue et que Floyd Haïté est présent, on a la chance à 80% de gagner. C'est vrai. Ça, je le dis. Et je le conseille. Et puis, les faits le prouvent. Mais aujourd'hui, on n'a pas peur de défendre parce qu'on a des éléments. Je suis avec le retour d'Alexis Romao. Mais c'est le devant. Nous parlons de marquer tôt, marquer tard. Est-ce que nous avons les joueurs capables de le faire aujourd'hui? Il y a Fodo là-bas. Ceux qui vont composer avec ces deux-là. Il ne faut pas qu'on nous aligne des joueurs moins 10 contre 11. Comme on a fait contre l'Algérie ici. Ouais, je parle de Chey, je vais pas taire le nom. Aujourd'hui, Chey, dans le championnat turc, ne prouve rien. Mais on est en train de le remercier, il résiste à rester. Donc, vous voyez, donc, franchement, si nous voulons gagner ce match, les gens n'ont qu'à laisser l'expérience, le passé de Chey, qu'il a fait ceci, ou bien... Non, mais sur un match, il peut faire l'espoir. Oui, il peut faire l'espoir, mais d'abord, on n'a qu'à le laisser en tant que joker. L'aligner tôt, franchement, c'est déséquilibré l'équipe. Je t'ai dit, aujourd'hui, personne n'appelle de Chey. Chey joue avec beaucoup de Béninois en Turquie. Ils le connaissent, ils savent qu'il ne fait plus peur. Ils ont joué avec lui ici. Donc, les Béninois aussi, ils ont un technicien aussi qui sait analyser aussi les rencontres. Il sait sur quel joueur compter. Donc, moi, je vois qu'en défense, nous n'avons rien à craindre. Le Togo peut résister. Mais si la chance, les gens ont parlé de marquer tôt, les gens ont parlé de marquer tard. Si la chance permet qu'on marque tôt, et compter si vous voyez le match du Togo. Lorsqu'on joue à la deuxième mi-temps, le Togo, franchement, non plus la force physique de résister. Si on a une équipe capable, tard, pour faire perdre les Binois l'espoir, alors là, je pense que tout sera bienvenu. L'essentiel, qu'on obtienne la qualification. Prosper Agbouklou, nous allons parler d'un aspect de ce match, la motivation. Il semble, aux dernières nouvelles, que les Béninois auront 10 millions chacun en cas de victoire sur le Togo. 3 millions en cas de match nul. Voilà ce que propose le président Athanase Talon à cette équipe des écureuils. Mais pour l'instant, on n'a rien dit par rapport aux joueurs togolais. Mais le sélectionneur reste confiant par rapport aux primes. Il sait qu'après le match contre l'Algérie, malgré la défaite, le premier joueur togolais, Fornia Singbe, a demandé qu'on leur donne quelque chose pour les encourager, pour leur dire qu'il avait confiance en eux. Nous vous proposons d'écouter le sélectionneur. C'était juste la discussion entre les autorités et les finances pour les réservations d'hôtels, le dépôt qu'il faut dans un hôtel, qui est pas les billets d'avion, des choses simples. Il n'a même pas été question de prime une seule seconde. C'est pas ça. Là, on est ce qu'on veut, c'est être en Égypte en 2019. Donc, on va pas perdre de temps déjà
à discuter sur les primes. On sait que tout est établi, c'est prévu, donc il n'y a même pas de discussion là-dessus. Après le match contre l'Algérie, le premier supporter des Éperviers, qui est chef de l'État, pour montrer que son niveau de réflexion, il ne vole pas seulement au secours des victoires, mais qu'il vole au secours des défaites, il avait dit qu'il ferait quelque chose pour montrer aux joueurs à quel point il avait confiance en eux, ce qu'il a fait. Donc vraiment, il n'y a pas de problème particulier. Et il y a ce dont je rêve depuis toujours et que j'ai souvent eu dans d'autres équipes, c'est une unanimité, une solidarité, une envie de tout le monde de donner un coup de main, de tout le monde pousser dans le même sens. Et quand tout le monde pousse dans le même sens, on peut aller très loin et très haut. Voilà, Claude-Marie François Leroy qui est sûr que côté motivation, il n'y a pas de problème. Le président de la République fera ce qu'il faut. Prosper, vous êtes rassuré à ce niveau? Bon, je peux dire que je le suis. Autant, il y a depuis un certain temps, on peut rappeler que ces problèmes de primes ne se posent plus et que j'aurais appris également que le président de la République s'intéresse réellement aux choses. Comme il est peu bavard, il donne des instructions et je suis sûr que on l'a déjà vu même après la qualification de la CAN 2000 à la CAN 2017. Il y a eu quand même des gestes forts du côté du président de la République. Donc je crois que pour ça, moi, je n'en doute pas. Maintenant, il va falloir que le président pense qu'il y a la presse aussi qui va se déplacer. Il va falloir soutenir la presse parce que ça se passe ailleurs. Quand les Algériens se déplacent, les Marocains, les Béninois, les Ivoiriens, tous nous disent que c'est grâce à l'État qu'ils l'ont fait. Voilà, il faut que le président de la République, je le félicite réellement pour ça, mais qu'il se rappelle aussi de la presse. La presse sera une motivation supplémentaire. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, quelqu'un l'a rappelé, qu'il faut sortir un communiqué pour rassurer les uns les autres et que la présidence même assure le déplacement de la presse togolaise. Ça se fait ailleurs et je crois que s'il y a quelqu'un auprès du chef de l'État, il peut le lui dire de notre voix, il peut porter cette voix à son intention que la presse est là. Nous n'allons pas nous déplacer individuellement ou bien sous le coup de l'approximation. Donc j'exhorte réellement le président de la République à travers le ministre des Sports et de la Communication et autres que la presse, qu'on organise la presse à aller en groupe organisé, aller faire le travail et revenir en toute sécurité avec, bien sûr, quand je le dis souvent, les gens disent que je suis vulgaire, il faut dire les choses par leur nom, il faut donner des moyens à la presse pour qu'il aille faire ce travail-là de manière correcte. Donc, pour les joueurs, je suis certainement sûr et je suis réellement sûr que tout est fait pour que ces joueurs-là puissent bien jouer le dimanche prochain à Cotonou. En tout cas, voilà, on verra bien. On vous rappelle que les officiels, la CAF a désigné l'un des meilleurs arbitres du continent éthiopien, Bamlak Tessema Ouyeza. Il sera assisté par son compatriote Temesgine Samuel Atango, Tigli Gisao Belachio et puis le quatrième officiel n'est autre que Théodros Mitikou, le commissaire de match sera ivoirien, René William Serré, officier de sécurité Rajit Rachid Akib, il est marocain et puis l'assesseur des arbitres Sidiki Bekay Magassa, il vient du Mali. Oui, la motivation elle est importante, vous êtes entraîneur, ça peut booster le moral hein, des joueurs. Moi, avant de parler de la motivation, moi je vais revenir sur les stratégies du jeu. En tant qu'entraîneur. Mais quelle est la différence que vous mettez entre tactique et stratégie? Voilà. Puisque lorsque vous êtes en difficulté dans un match, parce que ce match que nous allons jouer au Bénin, nous aurons beaucoup de difficultés. Donc il faut aller sur des stratégies. Vous comprenez? Je parle de stratégie. Si on n'arrive pas à marquer dans le jeu coulant normal, il faut qu'on arrive à marquer sur des corners ou bien sur des coups francs. Ça, c'est les stratégies. Des stratégies. Mais malheureusement, notre équipe nationale, sur des corners, n'ont pas de stratégie. Sur des coups francs aussi, n'ont pas de stratégie. Il faut que l'entraîneur puisse mettre cette stratégie avant qu'on aille au Bénin. Parce qu'un but sur un coup franc ou bien un but sur corner, c'est égal un but. Nous voulons marquer des buts. Bon, maintenant, l'autre aspect. Est-ce que d'aucuns ont dit ici, nous allons aller aborder le match, se lancer dans le match, nous allons observer les Béninois, ou bien comment nous allons jouer? Ça dépend de l'entraîneur par rapport à l'équipe qu'il aura.
et les séances d'entraînement qu'il va effectuer. Il faut que l'équipe soit homogène. Il faut que l'équipe y ait une complicité. Après avoir joué 5 journées, il doit pouvoir sortir une équipe complémentaire. Et homogène. Et homogène. Mm-hmm. Ne pas faire des choix au hasard. Et je reviens aussi sur des stratégies. C'est très important dans un match de football. On ne peut pas avoir 3 coups francs à la lisière de la surface de réparation. La même personne va jouer sans combinaison. Et comment est-ce que nous allons marquer des buts? On ne peut pas avoir. Sur un corner, on peut faire la différence et se qualifier. Donc l'entraîneur doit avoir tous ces aspects-là. Quand est-ce qu'il faut contre-attaquer? Quand est-ce qu'il faut utiliser l'attaque rapide? Quand est-ce qu'il faut utiliser l'attaque placée? Et moi, je vois que dans la configuration de notre équipe, par rapport aux éléments que nous avons, nous devons jouer le 4-4-2. Mmh. C'est ce que vous proposez. C'est ce que moi je propose. 4-4-2 classique. Classique. La chaîne à 4. 4 défenseurs, 4 milieux du terrain, 2 attaquants de pointe. Avoir des rideaux défensifs. 3 rideaux défensifs. La première rideau, les 2 attaquants qui sont défenseurs, lorsqu'on perd le ballon, ils chassent en même temps. Ils font la pression sur l'adversaire. Et le deuxième rideau défensif qui est le milieu du terrain. Et le dernier rideau défensif qui sera les défenseurs pour d'abord s'opposer à cette rigueur, à cet arc des Béninois qui ne vont pas nous pardonner. Donc il faut les faire douter et après, quand ils sont dans leur plan A et ils ne vont pas trouver des solutions, pour que l'entraîneur cherche des moyens pour les aider, et là s'ils ne trouvent pas, nous on peut faire la différence. D'aucuns ont parlé aussi des attaquants. Nous avons des attaquants, on comprend la colonne vertébrale dont a parlé Moudib Falana. C'est très très important. Il faut qu'il se base sur cette colonne vertébrale. Fodo, là-bas, est un joueur qui excelle aujourd'hui. Il y a aussi Mlapa, qui fait un bon jeu. Il y a Sounou, il y a Haïté, il y a le petit frère de Dosevi, Mathieu. Nous avons ramené le milieu récupérateur, Alexis Romayo, 2 bons milieux récupérateurs. Ne pas faire un choix de complaisance et utiliser les stratégies offensives, c'est très important. Bien. Voilà ce qu'on peut dire par rapport les points faibles du Togo, je ne voudrais pas en parler, mais je crois quand même qu'il va falloir qu'on fasse un travail psychologique avec nos gardiens de but. On doit faire un travail. Vous voulez parler de Bassa Djeri? Oui, c'est lui le numéro 1. Si c'est lui, je ne vais pas dire son nom pour susciter l'engouement au niveau des Béninois. Mais je dis, il va falloir qu'on ait un langage franc, un discours psychologique fort. Parce que c'est la première fois que ce garçon-là, les 3 qui sont aussi des Bassa Djeri qui va garder, va affronter une telle situation. Maintenant, la panique, tout ce qui peut accompagner, il va falloir qu'on lui parle, qu'on le prenne vraiment exceptionnellement. Qu'on lui fasse un discours et au niveau de l'attaque, vraiment miser sur la jeunesse. Miser sur la jeunesse. Je ne veux pas donner de nom, mais miser sur la jeunesse pour que cette attaque la fasse bouger la défense béninoise. Parce que si on voit celui qui traîne les charrettes derrière, quand on lui envoie le ballon, il traîne les charrettes, il n'arrive pas à aller prendre le ballon. Les Béninois sont à l'aise. Vous avez vu ce qui s'est passé à Lomé. Donc je voudrais tout simplement en appeler au bon sens de l'entraîneur, comme M. Neni l'a dit, que François-Marie Leroy sache qu'on a besoin des joueurs en forme et non des plaisanteurs sur le terrain. Ce que j'aimerais ajouter, il y a un point faible des épreuves qu'on n'a pas tous déploré. Ce sont les latéraux. Ce sont les latéraux. Nous devons avoir des latéraux mobiles qui peuvent, par moment, créer un surnombre en attaque. Ouais, des latéraux qui montent. Avec le coup de Leroy, tous ces latéraux qu'ils utilisent, des latéraux qui ne montent pas. Quand les latéraux ne montent pas, vous avez la pression. Ouais, tout s'appuie contre vous. Donc si maintenant, il arrive à mettre un système, peut-être un 5 défense,
un 5-3-2, c'est-à-dire 5 défenseurs avec des latéraux mobiles qui montent. Souvent, je pense qu'on va essayer de faire la différence. Non, en tout cas, il y aura tellement de choix tactiques parce que tout le monde veut que le Togo gagne face au Bénin là-bas. Dimanche prochain, ça va être dans un stade bouillant et ça rappelle par exemple les matchs des éliminatoires de 2005. La CAN Coupe du Monde combinée en 2005 à Dakar et au Mali où le Togo avait gagné le Mali 2-1 là-bas et tout le monde se souvient de ce qui s'est passé au Congo lors de la dernière journée 3-2, il n'y avait qu'un petit match nul dont le Togo avait besoin mais il y avait une victoire et on se souvient des buts de Kader et de Emmanuel Adebayor, cette victoire également, ou bien ce nul à Dakar le 8 juin 2005 avec ce but d'entrée d'Olou Fadé Adekami, aujourd'hui entraîneur du Guito. Il y a eu des matchs références, des matchs, on va dire, qui rappellent plein de choses. Et ces genres de matchs ressemblent à ce que les Éperviers avaient vécu lors des qualifications de la CAN Coupe du Monde 2006. Voilà. Alors aujourd'hui, le Bénin va manquer des joueurs importants comme le capitaine Stéphane Sessegnon, le joueur Poté et puis Dan Meda, trois atouts majeurs qui ne seront pas là. Est-ce qu'il faut dire tout de suite que ça réduit cette équipe béninoise Moudib avant de retrouver Jean-Louis Koudjounou? Non, je ne pense pas. Parce que, vous savez, depuis un certain temps, il y a eu des joueurs qui sont restés dans l'ombre de ces noms que vous avez cités, Poté, Sessegnon et Cécile d'Almeida. Aujourd'hui, on parle d'une qualification. Et lorsque vous êtes resté assez longtemps dans l'ombre d'un joueur et qu'on vous aligne, vous avez cette envie-là de prouver qu'on doit vous renouveler cette confiance. Donc, je pense que sur ce point-là, il n'y a pas d'autres idées à se faire. Ça va rester toujours comme si ces joueurs étaient là. Et je suis sûr, que côté béninois, écoutez, on va quand même essayer de prendre la disposition. C'est à nous maintenant de rester concentrés dans notre match, comme je l'ai souligné tout à l'heure. Oui, Jean-Louis Koudjounou. Oui, il faut dire que Michel Dussieux, l'entraîneur béninois, ça fait très longtemps, il était au courant de ces suspensions ou de l'absence de ces joueurs-là. Je pense qu'en un laps de temps, il a dû prendre des mesures. Hein. Le Bénin, les joueurs béninois, ils jouent dans des championnats très importants aujourd'hui. Donc, les remplacements se font rapidement. Et donc, tout le monde sait aujourd'hui celui qui devait jouer à la place de Sessegnon. Le travail va se faire conséquemment pendant cette semaine avant d'aborder le match. Donc, il ne faut véritablement pas qu'on se focalise sur ces absences-là. On n'en a pas besoin. L'essentiel, c'est de nous concentrer sur notre préparation et de projeter la victoire sur ce match-là. C'est un travail. C'est pourquoi on souhaite toujours, en plus du travail psychologique que fait l'entraîneur, il faut un psychologue de métier à côté de ces joueurs-là, parce qu'on en a besoin dans chaque équipe, et que c'est le parce que à l'instant, ce match-là, il est trop précieux pour le Togo que on n'a pas besoin de trop mettre la pression sur les joueurs. Mais il leur fait un travail psychologique qui peut les conduire à bon port. Un joueur côté béninois qui constitue pour moi le danger permanent. Il ne sait faire que ça, la percussion. Il s'agit de Jodel Dossou, un joueur qui évolue dans le championnat suédois, je crois. Écoutez, avec ce joueur-là, c'est le danger permanent. Il va falloir faire très attention. Parce que le joueur, il ne sait faire que ça. Une percussion permanente, c'est un danger pour cette équipe. Il est très puissant, voulez-vous dire. Oui. Et puis tout récemment, il semble que la FIFA a autorisé deux binationaux béninois. Je pense que. Ils sont d'ailleurs dans le. Quel que soit le joueur qu'on aura, on doit se. Voilà, Michel Dussuyer reste un fin. Aussi la référence, il n'y en a pas pour longtemps. Paris Saint-Germain contre Manchester United, où on a renouvelé pratiquement l'équipe et les nouveaux venus ont fait plus que le résultat. Donc, c'est ce que moi je sais. Pour moi, si les Sessegnon et les autres potés jouaient, on a quand même connu l'adversaire en face. Maintenant, c'est des inconnus qui seront devant nous, qu'on n'a pas vu assez jouer, qui nous poseraient plus de problèmes parce qu'ils auront, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, la détermination pour récupérer les places potentielles. Oui, Marc. Oui, j'allais dire, au-delà de tout, il ne faut pas perdre de vue que ces seigneurs, quand même, le dépositaire. Oui, reste un élément important. Depuis qu'ils ont marqué contre l'Algérie, ça aurait été un match nul si ces seigneurs n'avaient pas fait à lui tout seul le travail de débordement sur le côté pour servir d'Almeida. Donc, quand même, ils sont diminués. Il ne faut pas
au-delà de tout, ils sont diminués. Je crois que quand même c'est un avantage pour le Togo de ne pas avoir d'avoir un suppléant de Sessegnon en face que d'avoir le Sessegnon lui-même en lui-même. Face. Oui, oui, moi j'allais dire, oui. C'est pour rappel, on ne gagne pas les matchs forcément, pas sur les noms. Mmh, c'est l'équipe ça. Qui joue, quand l'équipe est en forme, on gagne. Donc, ça peut être un avantage pour les éperviers. Maintenant, est-ce qu'on va en profiter? C'est aussi le cas. Donc, c'est les éperviers ont gagné des matchs sans leur capitaine. Donc, si c'est le cas, c'est que le Bénin peut toujours c'est jouer quand sans match. Voilà. Quand il existe. Donc, il faut juste avoir de la concentration. Garder un mental fort et puis moi je pense qu'on va facilement le gagner 3-0. Oui. On va vers les auditeurs qui ont beaucoup de choses à dire par rapport à ce match-là. C'est à vous. Peut-être qu'ils s'en foutent éperdument des Togolais. Ces jeunes qui sont allés même en finale, c'est une première. Pourquoi on n'a pas su garder cette équipe? Mais vraiment, ça fait honte. Hein. Non, arrêtons les comédies. Crions directement au sommet que c'est comme ça ne va pas. Point de vue. Les auditeurs. Voilà, donc les auditeurs qui ont certainement des choses à dire. Allô ? Oui, pas encore. Peut-être qu'ils sont en concentration, ils vont certainement arriver. Le 22, 23, 30, 44, 92, 03, 60, 31, 97, 24, 26, 26, pour pouvoir placer des mots, soutenir les éperviers du Togo qui ont un rendez-vous important dans une semaine là-bas à Cotonou, au Bénin, pour le compte de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019. Allô? Bonsoir. Bonjour. Bonjour, c'est Olivier de Gbossimé. Olivier Gbossimé, on vous écoute. Ah oui, c'est juste pour encourager les éperviers. Oui. Je vais parler un peu d'Adebayo. Adebayo, il faut qu'on le laisse un peu sur le banc. Oui, on a compris. En tout cas, le choix revient à l'entraîneur, au sélectionneur. C'est lui qui prend les décisions. C'est bon? Ok, c'est juste ce que je voulais dire. Merci beaucoup, merci de votre soutien à l'endroit des éperviers. À bientôt, allô? Bonjour? Allô? Bonjour. Oui, diminuez un peu le volume de votre poste récepteur. Merci. Oui. Adjudant-chef. Grima. Voilà, vous nous appelez d'où? J'appelle Tito. Pardon? Tito. Okay, on vous écoute. Salut, ma classe, Yeni. Il a bien vraiment parlé. Oui, on a du mal à vous avoir, allez-y. Salut, Yeni, qui est là-bas, qui a vraiment amené un petit peu pour l'équipe nationale. Oui. Donc, nous sommes là-bas par plusieurs mots. Merci à vous, excellent week-end, à très bientôt. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, cher ami, votre nom? C'est Dima. Diminuez le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Ok. Vous nous appelez d'où? C'est bon? Oui, vous appelez d'où? Je vous appelle d'Agoué. Agoué, on vous écoute. Merci pour l'émission. Ouais. Et sincèrement, félicitations à vous les journalistes. Félicitations à notre doyen Nini. Le plus que moi j'ai apporté, sincèrement, c'est au niveau tactique de l'équipe. Il faudrait qu'on fasse jouer la jeunesse, surtout en attaque, pour pouvoir porter un plus sur la défense, parce que aujourd'hui, les premiers défenseurs d'une équipe, c'est les attaquants. Vous n'êtes pas sans savoir les deux dernières titularisations de CI, on a vu ce qu'il a fait. Sincèrement, si on peut le mettre dehors pour le moment, il faudrait que le coach pense à ça. Et surtout, trouver des bons tireurs des balles arrêtées, c'est-à-dire les coups francs, les corners. Et puis, s'il faut, s'il y a pénalty, qu'on trouve des bons tireurs de coups francs. Donc, c'est le plus que moi j'ai apporté. Sincèrement, vive droit à vous, les journalistes. Et que Dieu vous bénisse. Merci, cher ami. À très bientôt. Excellent week-end. Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, cher ami. Votre nom? Dodi Le Mancunien. Dodi, vous allez bien?
très bien de votre côté. Mais on rend grâce aussi. Je salue le plateau. Merci. Et tout d'abord, je présente mes condoléances à M. Abala Buffet. Car c'est Dieu qui est le grand consolateur. Et l'âme de sa femme se repose en paix. Concernant notre équipe nationale, notre match qu'on va jouer le 24, je veux que le chef de l'État, qui le reconnaît, qu'il est le président du Togo, et il n'a qu'à faire l'effort, si le même pour avoir l'occasion, ce programme lui permet de se déplacer et rester sur le terrain. S'il n'a pas cette liberté, au moins de déplacer certains de ceux du gouvernement, y compris le ministre du Sport, des Sports, et concernant certaines personnes qu'il connaît bien, qu'il savent vraiment la valeur du football. Et il n'a qu'à faire déplacer nos anciens joueurs pour montrer l'histoire et la légende du football togolais. On a Olufadé qui a le mot aujourd'hui, qui est l'entraîneur de Tito. On a Wadia Lantam, ancien capitaine de l'équipe nationale, qui est actuellement à Étoile Filante, qui est un entraîneur. On voit tous ces gens dans les tribunes. L'histoire se répète. La fois passée, on a vu, la fois, on a vu comment Nedved était venu à Juventus pour suivre le match Juventus AT. On a vu Eric Cantona, Manchester United contre Paris Saint-Germain. Tout ça, là, les joueurs voient ça, ça motive et ça montre, et ça montre, et ça donne l'espoir de donner le fort de soi-même. Et concernant à l'entraîneur, M. Claude Laurent, on te supplie, faire sortir une équipe représentable, et non une équipe qui va nous décevoir. Et je préfère que notre Adebayo, c'est un joueur que moi j'aime beaucoup, même si on lui dit de rentrer en première position, lui-même n'a qu'à prendre cette décision et dire, monsieur l'entraîneur, je veux jouer un rôle de joker. Pour qu'on aligne, si tu es devant une équipe très jeune qui va déranger cette équipe béninoise. Et laissons que ce seigneur et l'autre qui sont suspendus, laissons ça de côté. Monsieur Prosper Lallemand vient de soulever ça. On a vu ça face à Paris Saint-Germain, une équipe mancunienne qui est tout remaniée et qui a pu battre le Paris Saint-Germain à la maison. Donc, monsieur Claude Leroy, nous te supplions de faire tout cela pour nous et pour sauver le football togolais. Togolais que nous sommes, supporters togolais que nous sommes, ne croisons pas les bras. Soyons toujours à genoux. Comme en 2005-2006, pour soutenir notre équipe. Ceux qui ont l'opportunité de se déplacer soi-même, faisons cet effort et d'aller au Béa Cotonou pour supporter notre équipe. Ceux qui ont Cotonou, faites cet effort-là pour qu'on soit derrière notre équipe. Merci beaucoup et bonne émission. Merci, Dodi Le Mancuni. À très bientôt. Oui, quelqu'un. Oui, voilà. On rappelle que la fédération organise un voyage à l'endroit du public sportif et des supporters. Oui, allô? Oui, allô. Bonjour. Oui, bonjour. Oui. Bonjour, cher ami. Votre nom? Allô, Herman, depuis Dalavé. Pardon? Allô, Herman. Herman, depuis Dalavé. Ah, nous tous nous supportons bien, bon courage. Quel que soit le cas, il faut que nous fassions le courage à Dieu. Même nous ne ferons rien. Nous avons du mal à vous avoir. Hein. Est-ce que vous pouvez vous repositionner et nous revenir? Parce que là, on a du mal à vous avoir. Revenez, s'il vous plaît. Monsieur Herman, depuis Dalavé, on a envie de savoir ce qui se passe là-bas à Thiviers, Dalavé précisément. Allô? Alors, oui, bonjour. Oui, bonjour, cher ami. Oui, c'est Maman Seibo. Oui, de quel quartier? Depuis Agoué. Agoué. Oui. Ok. En fait, moi, je veux participer à l'émission. C'est par rapport au match de Togo-Bénin là. Oui, allez-y. Tu vois, quand il y a beaucoup de Béninois au Togo, c'est comme un seul pays, quoi, Bénin et Togo. Mais souvent, quand nous, on écoute, moi, je suis Béninois, mais ma maman est togolaise. Les journalistes parlent, ils nous étiquettent comme les Béninois sont des barbares, tout ça là. Non, personne. Oui, personne n'a dit ça. Attendez, j'ai écouté sur une autre radio, c'est pas sur votre radio. Et puis, le jour là, j'avais capté le nom de ce journaliste, Manu.
Je disais ce qui s'est passé contre le Bénin 2017. Mais vous n'avez pas à savoir que le Togo n'a rien à se reprocher là-bas. C'est ce qui est venu entre deux pays. Donc, ce n'était pas le Bénin seulement qui était coupable. Parce que la preuve, le Togo était avec, le Mali tout à l'heure, c'était le Bénin. Non. Mais le football, ça reste un jeu. Mais le Bénin, le Togo, c'est le pays. Frère, moi qui appelle ma maman est togolaise, mon père est béninois. Je suis de Parakou. Mais c'était un cas législatif, parler un peu, mettre un peu de tout cela. Il ne peut pas comme les Béninois, nous on est tout ça. Non. Voilà, je crois qu'on reste des frères. Ah. Et puis voilà, cher ami, merci quand même d'avoir appelé dans cette émission. Le football n'est qu'un simple jeu. Le Bénin, le Togo restent des pays frères. À bientôt. Oui, allô? Oui, voilà, c'est toujours Herman. C'est toujours Herman. Herman qui revient, oui, maintenant c'est bon. Et c'est ça ne va pas, hein? Derrière les humains. Oui. Donc, il y a l'ambiance déjà. On prie, quel temps soit le cas, ça veut dire les Béninois, ce qui s'est passé le 15 2018 ne sera plus le cas cette année. Maintenant, c'est nous. Courage à tout le monde, il faut que tout le monde prie et unissons-nous derrière les 7 équipes du Togo et la victoire sera au bout. Bien, merci Herman, à très bientôt, excellent week-end. Quelqu'un d'autre? Allô? Allô? Allô, bonjour, M. Franck. Bonjour, cher ami. Al Gore, vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Ok, on y va, ça va. Et d'accord. Et moi, j'aimerais faire un tour au niveau du championnat et porter une squad contre ces jeunes entraîneurs qui n'ont que deux. Et de façon d'application, en cas de victoire, ils évoquent Dieu, et en cas de défaite, ils évoquent les entraîneurs. Moi, je pense que ces entraîneurs qui se livrent à ces jeux, on doit quand même prévoir des sanctions pour ces entraîneurs, parce que moi, je l'ai évoqué avec le monsieur de Fouadeur et d'Apaon, après deux journées de cette déclaration, on a vu ce qui en est suivi avec les violences à Dapan. Effectivement, que la fédération puisse réfléchir et que cela déçue et essayer de trouver une sanction pour ces entraîneurs qui ne parlent que de l'arbitrage en cas de défaite. Mm. Quand, concernant les interviews, oui. Moi j'aimerais quand même souhaiter que la fédération, puisque l'entrée est gratuite au Bénin, que la fédération puisse prendre des discussions pour négocier un nombre de places conséquent pour nous les supporter, parce que ce n'est pas nous tous qui allons et le bus que la fédération va mettre à la disposition des supporters. Il y aura forcément certains qui voudront aller par le propre moyen et il faut que ces gens-là aussi puissent avoir la chance de pouvoir accéder au stade et de pouvoir suivre le match. Maintenant, et quant à ce qui peut concerner le football sur le gazon vert, je pense que Monsieur Claude Leroy doit initier de toute son expérience et de tout son vécu dans ce domaine de l'entraîneurat et créer de toute son expérience sur le continent africain pour nous faire la meilleure composition possible et pour que nous puissions avoir la victoire. Moi, il y a une chose que je lui repose toujours. Oui, vous terminez, oui. Oui. Il a tendance à subir les matchs quand le Togo est dominé. Moi je ne le vois pas trop en réaction. Il faut que cette fois-ci, si notre équipe est dominée, qu'il réagisse et qu'il prenne les discussions nécessaires pour que nous puissions remonter la tête de l'eau et avoir la victoire au chiffre final. Très bien. Je pense qu'ils sont à l'écoute et on vous rappelle ce communiqué. La Fédération togolaise de football informe le grand public sportif et les supporters des éperviers du Togo, en particulier qu'elle organise un déplacement en groupe sous escorte sur Cotonou ce dimanche 24 mars 2019 dans le cadre des matchs de la sixième journée des éliminatoires de la CAN Égypte 2019. Les frais du voyage aller-retour sont fixés à 5 000 francs
et sont à verser auprès du caissier de la FTF à Kégué jusqu'au vendredi 22 mars 2019 à 17h, délai de rigueur. Chaque participant est prié de prévoir une somme de 2000 francs au moins pour le ticket d'entrée au stade. Le départ sur Cotonou est prévu sur le dimanche 24 mars 2019 à 8h au siège de la Fédération Togolaise de Football. Le comité exécutif de la FTF compte sur le patriotisme des uns et des autres pour un déplacement massif afin de pousser les éperviers à la victoire, synonyme de qualification pour la phase finale de la CAN 2019 en Égypte. Voilà, c'est le communiqué de la Fédération Togolaise de Football. Vous savez quoi faire désormais si vous avez envie d'aller à Cotonou au Bénin en toute sécurité. Nous allons prendre l'auditeur qui est là, l'auditeur qui est en ligne. Allô? Allô, bonjour. Allô, bonjour, bonjour. Vous allez bien? Votre nom? Monsieur Olivier. Olivier, vous nous appelez d'où? Camphir. Pardon? Camphir, Camphir. Camphir, oui, on vous écoute. Oui. Pour moi, ouais. Les anciens joueurs, là, les joueurs comme Oloubaté, les Daré, les Bakassala, ça dit c'est un match capital. Ces anciens joueurs-là, ils sont proches des nouveaux. De ces joueurs-là et les parler. Parce qu'ils ont rencontré un tel match comme ça en 2005. Ils doivent être toujours à côté de les parler. Mais je vois qu'ils sont éloignés de l'équipe. Et de plus, Claude Leroy doit faire que les 11 rentrants, ce qui peut faire la différence, les 11 rentrants le dimanche, misent toujours surtout sur les thèmes. Et après tout, maintenant, on peut faire des changements avec les anciens qui ont des clients. Vous voyez maintenant? Merci beaucoup, cher Olivier. À très bientôt. Allô? Allô? Non. 22, 23, 30, 44, 92. Oui, allô? Allô? Allô, bonjour, M. Franck. Oui, bonjour. Tcha Fidèle. Oui, c'est lui-même. Vous allez bien? Je vais très bien. Ok, on y va. Je dis bonjour au plateau. Oui. J'ai trois points à soulever là. Oui. Premièrement, je parle aux joueurs. Les joueurs, lorsqu'on te prend pour rentrer au terrain pour jouer, il faut mouiller le maillot. Nous, éperviers, je compte sur eux. Et je l'ai dit, arriver sur le terrain du Bénin, ils n'ont qu'à jouer à l'aise comme ils sont chez eux. Il n'y aura pas de problème. Et on va leur donner seulement un but, on revient au Togo. Deuxième point, je parle à l'entraîneur. L'entraîneur, il ne faut pas nous amener des nouveaux joueurs. Parce que quand tu nous amènes un nouveau joueur qui n'a jamais joué avec nous, c'est maintenant lui commence à faire son match d'entraînement. Alors nous, on ne veut pas des matchs d'entraînement. On veut la victoire aujourd'hui même. Parce que si on amène un nouveau qui n'a jamais joué avec les anciens, vous voyez que ça ne va pas bien coller. Donc il n'a qu'à compter sur les anciens joueurs et prendre les joueurs qui sont en forme dans ce moment-là. Troisième point, je parle aux anciens entraîneurs du Togo. Ne baissez pas les bras, comme M. Niné avec vous là-bas. Il n'a qu'à parler à ses amis. Ne regardez pas Claude Leroy, lui il est français, nous nous sommes togolais. Préparez le match à votre manière pour qu'on puisse gagner. Tout ce que Claude Leroy fait, oubliez-le. À votre côté, préparez le match à votre côté pour qu'on gagne ce match pour être qualifié au nom des entraîneurs du Togo et non au nom de Claude Leroy. Faites-le, même si vous ne faites pas le choix, vous allez faire le choix entre vous-même et ça va passer. Pour terminer, je dis aux supporters togolais d'aller massivement au Bénin, il n'y aura rien. On va aller gagner 1-0 et on revient au Togo. Je vous remercie. Merci, Tcha Fidèle. Excellent week-end. On va prendre le dernier, Théo. Oui, allô? 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 Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Votre nom? C'est Marc. Marc. Oui, vous diminuez, s'il vous plaît, le volume de votre poste récepteur. Ok. On y va. Allô? Allô? Oui, on y va. Bon, c'est pour vous dire que le Togo va gagner le Bénin. Parce que, pour la première fois, le président Faure a nommé un président de club comme ministre. On a vu comment M. Koulibaly a géré ses matchs de ce côté aussi.
il pourra gérer comme ça l'équipe nationale. Merci à vous. À très bientôt et bonne chance aux Éperviers. La mobilisation va continuer toute la semaine prochaine dans les émissions de Dingue, dans presque toutes les émissions. Nous ferons la mobilisation autour des Éperviers du Togo et nous vous annonçons déjà l'arrivée du groupe Mama Togo dans ce studio lundi pour mettre l'ambiance autour des Éperviers du Togo. En attendant, mercredi, on recevra l'autre groupe de supporters, le Respect. Et puis en septo, c'est les groupes reconnus qu'on recevra ici en studio. Merci à tout ce beau monde en studio. Moudib Falana, le DP du journal Le Mérite Sportif. Mohamed Touré, qu'on ne présente plus. Nola Kinaborosé, patron de BNB Sport. Jean-Louis Koudjanou, technicien de football. Nieni Sebabi, le président de l'association des entraîneurs de foot du Togo. Chani Lebana, peut-être c'est un signe pour les Éperviers, un signe sélectionneur des Éperviers du Togo. Il s'est qualifié pour la CAN 2002 au Mali sans avoir perdu de match. Prosper Agboklou, merci d'être venu. Nous remercions Marc Tokendo qui est en studio. Merci à Elomo Dovon qui a assuré la vidéo de cette émission. Merci également à Roméo Hector, Angelo Folico et Grégoire Attignon. Merci à Théo Ajavon, Latif Yuruma juste derrière pour Defana et Zasport. Et ses invités, à très bientôt.